Je ne sais pas si je suis en ligne. Je suis en ligne. Bonjour les gens. Bienvenue sur la tronche en live numéro 111. Peut-on être plusieurs dans sa tête Les personnes qui ont de multiples personnalités, qui peuvent passer de l'une à l'autre, toutes très différentes, parfois très nombreuses. On en croise dans la fiction, qui n'est jamais avare d'effets spectaculaires et de situations médicales très propices à la narration d'histoires palpitantes, mais peu fidèles finalement à la réalité des conditions et des traitements appropriés. La fiction, bien sûr, a tous les droits. Un film comme Split de Night Shyamalan, Vled, c'est comme ça qu'on prononce, Je qui verse allègrement dans le fantastique, n'a pas la prétention de nous décrire un syndrome psychiatrique, mais de nous faire vivre une aventure étonnante au cinéma. Le problème, lorsqu'on veut savoir ce que sont les maladies mentales, comment elles se manifestent, quels effets elles ont sur la vie des gens, c'est que nous n'avons pas... Tous la, la chance entre guillemets d'avoir entre nous des personnes vivant avec tous les troubles psychiatriques du monde, ou plus exactement, ces conditions étant en bonne partie invisibles, on en côtoie, mais sans le savoir. Et nous avons pour quasiment seule fenêtre sur les conditions mentales ce que la fiction nous en dit. Il serait un peu indélicat de demander à tous les concernés euh, par les troubles mentaux de bien vouloir se signaler afin qu'on prenne conscience de leur présence, qu'on s'avise qu'ils ne ressemblent pas tant que ça aux images que l'on s'en fait, et qu'on se débarrasse au moins un peu des stéréotypes porteurs de psychophobie. Euh, on n'aide pas les minorités invisibles en forçant les individus à se montrer, faut-il le rappeler Apparemment oui. Le trouble dissociatif, je recommence, on coupera au montage. Le trouble dissociatif de l'identité, TDI, qu'on appelait autrefois trouble de la personnalité multiple, est une affection psychiatrique méconnue du grand public et peut-être même des professionnels de la santé eux-mêmes. Si nous en parlons ici, sur une chaîne dédiée à l'esprit critique, c'est parce que ce trouble fait l'objet de beaucoup d'attention via les plateformes TikTok, Instagram ou YouTube, euh, avec des, des personnalités, souvent des, des jeunes femmes, qui se disent concernées et se mettent en scène sous l'identité de leurs diverses altères afin de raconter leur vie, de raconter leurs conditions, leur trauma et sans doute bien d'autres choses. Je ne connais pas assez ces contenus pour vous les décrire. Bon. Face à ce phénomène relativement récent, je dois confesser ma perplexité. Voilà. Je ne suis pas en mesure de savoir si ces troubles sont authentiques, ni de quantifier le danger potentiel que représenteraient des simulations exerçant sur le public assez d'influence pour causer une forme de contagion. J'éprouve une sorte d'incrédulité personnelle que je dois absolument... C'est important, éviter de confondre avec une bonne raison d'affirmer que ces concernés mentent. Son mythomane de tout, car il est bien possible que ces conditions, qui me semblent à moi si baroques, ce soit parce que euh, des préjugés de ma part, une certaine conformité à des idées sur la structure de, de la psyché, m'encombre autant que tout le monde. Bon. À ce stade, ce que je dois faire, c'est garder l'esprit ouvert. L'un des problèmes avec le TDI, c'est qu'il est encore aujourd'hui controversé au niveau scientifique. Nous ne sommes pas en présence d'un consensus permettant de dire définitivement que des traumatismes produisent une division de la personnalité, car certains spécialistes estiment que c'est l'approche thérapeutique qui produit cette impression et induit les symptômes du TDI. Vous verrez que c'est un peu compliqué, on verra ça tout, tout à l'heure. Euh, Ce n'est pas sur un plateau de télé ou dans un programme de YouTube. On résout une controverse scientifique. On ne va donc pas débattre de la réalité du TDI ce soir, mais on va essayer de comprendre le point de vue d'une personne qu'on m'a qu chaudement recommandée lors du congrès de l'encéphale, qui est un événement français avec la plus grande densité de psychiatres au mètre carré. C'était assez impressionnant. Euh, et donc nous recevons Coraline Ingré, qui est médecin-psychiatre, praticienne hospitalière au CPN, responsable du centre psycho. J'ai mal écrit. Je ne sais pas, psycho quelque chose. Euh, elle nous dira ce que c'est et qui est sans doute la meilleure spécialiste française des traumas euh, psychologiques et du diagnostic et de la prise en charge des TDI. Elle va nous aider à comprendre les concepts sur lesquels repose ce trouble et à évacuer les idées les plus fausses. En tout cas, on va essayer. Donc, nous recevons Coraline Ingré. Euh, une chorégraphie de qualité afin de gagner nos places respectives. Improvisé. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Je suis Coraline Ingré, je suis euh, psychiatre, psychothérapeute. Euh, J'exerce au CPN et au CHRU de Nancy et je suis responsable d'un centre psychotrauma. C'est ça le mot que j'ai mal écrit. Voilà. Bienvenue et bien. vous êtes l'autrice du livre « Le trauma, comment s'en sortir chez Debeuc ?» Exact. On, on mettra le lien dans la description quand on y pensera. On va oublier, mais les gens, vous nous le rappelez, comme ça on pourra le... On pourra le faire. Et vous êtes de Nancy. Exact. Donc, on avait la chance de vous après nous sans cool. le savoir. C'est très pratique. Alors, moi, j'ai plein de questions. D'abord, par rapport à des définitions. D'abord, par rapport à l'édito. Est-ce euh, que dans l'édito, il y a des, des choses On va revenir un peu sur le consensus, pas consensus, parce que euh, c'est un peu là, mmh. sur comment on définit les choses. Mais est-ce qu'il y a des choses de... Oui, non, il ne fallait pas le dire comme ça. Bah, en tout cas, l'idée du consensus, c'est un trouble qui est décrit dans les deux classifications internationales ouais. des pathologies. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, on est sur une entité qui est reconnue même si elle fait débat, même si elle interroge, euh, sans aucun doute. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, après, euh, sur le reste, il y a effectivement cette question euh, de, 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 de personnes euh, qui évoquent leur trouble dissociatif euh, de l'identité sur les réseaux sociaux. Et lorsque vous m'avez demandé de venir pour qu'on puisse discuter du trouble dissociatif de l'identité, euh, effectivement, moi, je ne serais pas là pour juger euh, de la réalité. Ou non euh, de euh, ce qui est exposé sur les réseaux sociaux, contenu que je connais d'ailleurs extrêmement mal, oui. mais vraiment de parler de ces troubles et de comment ils se construisent. De ce qu'on voit en clinique. Et de ce qu'on voit en clinique, exactement. Alors du coup, on va commencer avec quelques concepts que les gens comme moi on connaît pas très bien. C'est quoi un trauma, par exemple Alors, Effectivement, commençons par la base. C'est quoi un trauma Alors un événement. Potentiellement traumatisant, c'est un événement où il y a une confrontation directe ou indirecte à la mort, à une blessure grave, à une agression euh, sexuelle, avec euh, quelque chose qui est souvent très soudain, qui peut être brutal, violent, euh, et qui met à mal l'intégrité psychique et ou l'intégrité physique. Alors qu'est-ce qu'on peut citer comme trauma On peut évidemment euh, citer une catastrophe naturelle, un accident de la route, un attentat, euh, les événements de guerre euh, bien évidemment, mais aussi les agressions interpersonnelles, les violences conjugales, les viols, les attouchements sexuels, etc. La maltraitance La maltraitance est totalement des événements traumatiques mais qui sont très différents dans la mesure où ils sont souvent répétés, ouais. ils peuvent être de plusieurs natures, hein. on a souvent la maltraitance euh, à la fois psychologique avec des insultes, euh, des, des réprimandes, de, euh, un, un sentiment de rejet, des maltraitances physiques avec des coups et des maltraitances sexuelles, dont l'inceste euh, que nous connaissons bien, qui rentrent parfaitement dans ce champ du psychotrauma. Et dans les traumas, on a plutôt tendance de parler de traumas de type 1 qui sont des traumas euh, uniques, qui peuvent être très violents mais qui sont uniques, et des traumas de type 2 qui sont des traumas qui surviennent de manière souvent répétée, multiple. Et euh, qui apparaissent le plus souvent dans l'enfance. Et c'est de ces traumas-là dont il va s'agir quand on parle de troubles dissociatifs. On parle d'un euh, syndrome traumatogénique Alors, ce n'est pas un nom que je connais vraiment, non. le traumatogénique. En fait, il y a les événements. Un événement en tant que tel n'est pas un traumatisme. Un événement est potentiellement ouais. traumatique, c'est-à-dire qu'il peut potentiellement développer des troubles post-traumatiques chez la personne qui euh, le vit, euh, mais tout le monde ne développera pas de troubles post-traumatiques après un événement donc potentiellement traumatique. Alors dans le, la galaxie TDI, il y a des mots comme ça qu'on qu entend comme switch, oui. comme déclencheur. Euh, donc c'est lorsqu'on passe d'une personnalité à une autre. C'est ça. Alors là, euh, on, on est déjà dans spécifiquement ouais. ce qu'on parle du, du TDI sur le terme switch. Le terme déclencheur, c'est un terme qu'on retrouve dans toute la symptomatologie post-traumatique. Parce que pour qu'on soit tout de suite clair, quand on vit un ou des événements traumatiques, euh, il y a tout un tas de, de, de symptômes, de syndromes qu'on peut développer, de ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique dit simple à des troubles de stress post-traumatique euh, complexe à effectivement un TDI c'est comme un espèce de grand spectre euh, qui, 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 qui s'étend euh, dans ce moment là et, et, donc, et voilà euh, je ne suis oublié quel était ta donc question. le déclencheur c'est pas un constat ah, oui. spécifique ça peut être voilà. dans tous les exactement un déclencheur tu vas le retrouver dans l'ensemble du spectre c'est à dire que euh, je euh, j'ai vécu un accident de la route euh, je suis dans ma voiture, si j'arrive à remonter en voiture et que je n'ai pas l'évitement de la, toute la conduite automobile, je repasse dans la rue où cela s'est passé, hop, j'ai des images qui surviennent. Le déclencheur étant le lieu de l'accident. Mais cela peut être un son, peut être une odeur, peut être une couleur, peut être une pensée ou une émotion. C'est ça qu'on appelle les déclencheurs. Les déclencheurs, ce sont ce qui vient provoquer euh, des flashs traumatiques ou des émotions en lien avec le trauma. C'est ce ça, que l'appel ça, le... ça peut être interne, du coup, c'est pas forcément un stimuli Ex extérieur. Exactement, ça peut être aussi des stimuli internes. C'est d'ailleurs très souvent des pensées euh, ouais. qui peuvent déclencher, euh, qui peuvent être des déclencheurs ou des émotions qui peuvent aussi être déclencheurs. Est-ce que c'est la même chose qu'un trigger Oui. Genre. Déclencheur, trigger, stimuli, euh, voilà, ça, ça rentre dans les mêmes choses. Et donc le phénomène de switch, est-ce qu'il est lié au déclencheur le phénomène de switch est principalement effectivement, lié au déclencheur, qu'il soit ou non compris euh, par le, le patient oui. ou la patiente. Oui. Euh, mais effectivement, il y a une logique, nous y reviendrons, euh, il y a une logique à ce switch qui correspond à un besoin d'une manière oui. ou d'une autre. Un truc, donc, on va y revenir, mais peut-être qu'on peut le dire maintenant, c'est que les gens qui ont un TDI n'ont pas forcément conscience de leur TDI, n'ont pas conscience de la présence de leurs alters. Oui. Euh, on pourrait définir aussi. Euh, voilà, donc euh, ça peut être euh, et surtout peut-être que ce n'est pas diagnostiqué comme il faut. Ça on, on va en reparler. Il y a dans le vocabulaire des mots comme multiplicité ou pluralité ou système. Mmh. Alors, il y a une différence entre le vocabulaire plutôt peut-être militant ou plutôt culturel et le vocabulaire plutôt, euh, je sais pas, thérapeutique ou scientifique. Euh, dans quel cadre, quels mots sont utilisés dans, dans, dans quel cadre? Mmh. Alors, typiquement, hein, le terme de multiplicité ou de pluralité, ce n'est pas des termes et, et de, de sémiologie euh, psychiatrique française, hein, pas, mmh. pas du tout. Hein. Ce n'est pas des, des choses dont on parle. On va plutôt parler de division du soi, euh, effectivement. Est-ce qu'il y a un sentiment ou non de division du soi euh, sur des, des termes de sémiologie psychiatrique Et euh, sur le... Donc ça, c'était pour la, la, la pluralité ou la multiplicité. Sur le côté système, c'est aussi pas un terme euh, psychiatrique typique, c'est un terme qui est très employé par les patients, qu'on retrouve beaucoup et qu'on retrouve dans, dans la, la littérature américaine, qui est un terme qui peut avoir tout à fait son intérêt hein, du moment où il permet de comprendre les choses, euh, mais c'est pas non plus un terme d'une sémiologie euh, spécifique. Alors, comment on en parle ben, C'est quoi les mots qu'on utilise en, en, en psychiatrie Alors, je dis pas que c'est les, forcément les bons, parce que les, les psychiatres se trompent, mais euh, c'est quoi le vocabulaire qu'on utilise alors pour parler des parce que pour les haltères, je sais que on, quand on a préparé l'émission, vous parlez, vous, de, de parties. Mmh. Et, là, et, là, et, là, et là, de division. Du coup, euh, c'est pas l'idée qui est véhiculée par les choses que moi, j'ai pu voir, où les gens vraiment présentent leurs haltères comme étant des personnes complètes, séparées, enfin, collées, mais, mais un, un peu séparées. Et quand on parle de division ou de partie, ça implique plutôt que ce pas des personnes complètes, justement. Donc, euh, mm -hmm. c'est quoi le bon vocabulaire, le plus neutre ou le plus, neutre, le plus euh, adapté Alors, je, je suis encore pas là pour juger quel est le bon ou le pas bon. En tout cas, il y a celui qui est utile pour les patients voilà. pour se représenter leurs troubles qui est à respecter. Et puis, il y a celui que nous, on utilise. Effectivement, moi, j'utilise le terme de partie, euh, de partie dissociée, de partie émotionnelle, euh, qui, qui font référence à, à, une, à une théorie hein, de Van der Hart qui, qui vaut ce qu'elle vaut, elle a aussi ses, ses inconvénients, mais j'aime beaucoup le, le, la notion de partie, puisque évidemment tout ça euh, fait partie d'une seule et même personne qui ouais. est à la personne que nous avons en face de nous, hein, d'une seule et même entité euh, avec un seul et même cerveau au milieu, mais effectivement, euh, par les mécanismes de dissociation qu'il faut absolument que nous définissions, mmh. euh, nous avons des parties qui peuvent être des parties très primaires et avoir un contenu qui peut être uniquement émotionnel, une, uniquement une réaction comportementale. Et puis, certaines de ces parties peuvent être beaucoup plus complexes, avec un sentiment d'identité, mmh. avec un sentiment de représentation du soi, et c'est là qu'on arrive sur ce terme euh, habituel d'alter. Il y a aussi l'impression de, de « inner world », je ne sais pas si on, on traduit par « monde intérieur mmh. », c'est aussi, ça fait plus partie du, du volet culturel du, du phénomène, mais est-ce que c'est des choses que vous croisez Alors, euh, c'est enfin, les, les mots qui sont souvent utilisés euh, euh, par les patients. Alors, pour, pour le coup, moi, les, les patients que je suis et que je rencontre sont, sont des patients qui ne sont jamais arrivés avec leur diagnostic de TDI. Hein. C'est des patients pour lesquels on a mis souvent plusieurs années ouais. à se rendre compte qu'il y avait un TDI aussi bien eux que moi euh, et, et, et à découvrir euh, cela donc c'est c'est pas forcément euh, un, un terme qu'ils qui utilisent on le voit beaucoup hein, su, sur les réseaux sociaux monde intérieur qu'est-ce qu que ça veut dire c'est plutôt assez clair finalement à l'intérieur de moi il existe des parties euh, euh, qui cohabitent qui arrivent plus ou moins sur le devant de la scène et c'est ça qu'on met sous ce terme de monde intérieur quoi alors, un mot sur la psychophobie. On a, on a fait un live avec Nicolas Rinto sur la psychophobie. Ouais. Euh, le fait. problème que ça peut poser, Alors, je vous conseille de la regarder, cette émission. Et, et puisqu'on parle de la psychophobie, j'invite euh, avec chaleur, bienveillance, mais fermeté les personnes dans le chat et dans les commentaires à venir qui, font, euh, qui, qui, qui nous ressortent tous l'éventail vaseux euh, et colossal de blagues sur le TDI à se rappeler que c'est une condition sérieuse qui doit être prise comme telle. Merci beaucoup. Tout à fait. Et les commentaires seront supprimés sans aucun ménagement. Voilà. Merci. On est, on est très, Ça me on pas. Est très strict Ça euh, dans la modération. Sur alors. ce genre de sujet, je rigole d'autant moins. Bah en, en, en termes de, de, psycho, de, de psychophobie, donc le, le stigmate qui, 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 est, qui est porté sur, la, sur les maladies mentales, le mot maladie n'est pas toujours accepté d'ailleurs, c'était est, est compliqué. Euh, Est-ce que le TDI est particulièrement visé par la psychophobie Est-ce que c'est quelque chose que les patients euh, vivent particulièrement, que les praticiens eux-mêmes euh, gèrent plus ou moins bien alors, c est, c est, je, je, je ne dirais pas, en tout cas, jusqu'alors, que euh, c'était quelque chose de particulièrement euh, vidé. Le TDI est plutôt un, un trouble, euh, en tout cas la, la plupart des patients, qui a pour but d'être dans l'évitement des traumatismes, euh, euh, qui, a, qui a effectivement une fonction d'éviter ce, ce, ce passé traumatique et de laisser une certaine apparence de normalité. Oui. Donc, non, ce n'est pas spécifiquement euh, vidé. Après, euh, la, la question que, que, que vous posez peut-être, c'est est-ce que euh, ce trouble chez les praticiens euh, eux-mêmes... Et euh, peut être décrié, alors oui, effectivement, euh, particulièrement. Euh... Euh, en France, nous avons jusque-là, il faut être clair, euh, très peu de formations sur les troubles dissociatifs. Et euh, nous, en, en Europe, euh, les, les troubles sont, semble-t-il, vraiment sous-diagnostiqués oui. par rapport à d'autres régions dans le monde, et pas uniquement les États-Unis. Certains de, de mes confrères peuvent me dire, oui, mais cela, c'est des troubles de série américaine. Alors non, je pense qu'on ne peut absolument pas résumer les choses de cette oui. manière-là. Ces troubles existent, euh, euh, sauf que probablement, on les sous-diagnostique un petit peu peu en France, avant tout par, par des problèmes de, de formation et parce que justement ce trouble ne se présente pas de manière évidente avec des symptômes bien euh, bien 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 évidents, mmh. parce que euh, les choses sont beaucoup beaucoup dans l'évitement, ce qui rend compliqué parfois de les voir. Et puis c'est très comorbide. Euh, le, t le TDI est souvent associé de troubles de, à des troubles de l'humeur, à des troubles anxieux, euh, à euh, des troubles addictifs, à potentiellement des troubles borderline. de la personnalité borderline, oui. ce qui amène qu'on a déjà tellement de diagnostics en tant que psychiatre sur lesquels bah, on peut euh, se reconnaître, proposer euh, des, des traitements aux patients et des traitements efficaces, que parfois le TDI qui est sous-jacent n'apparaît pas du tout en première ligne. Euh, donc la dissociation, on va parler quand même du phénomène en tant que tel, euh, parce que du coup, quand on a préparé l'émission, moi, je, je suis totalement euh, ignorant de tout ça. Et en fait, peut-être que c'est hyper banal, la dissociation juste comme phénomène. Ah oui, la dissociation, c'est hyper banal comme phénomène. Ça existe dans le monde animal euh, et évidemment ah oui euh, chez nous. Et eh oui, ah ça, ça, alors qu'est-ce qu que euh, la, la dissociation Donc, pour comprendre la dissociation ou la désassociation, il faut déjà euh, comprendre ce qu'est l'association. Notre cerveau, cet organe fabuleux, en permanence, a une activité de synthèse. C'est-à-dire qu'il va avoir une activité de synthèse à partir de ses cinq sens, de ce qu'il perçoit. Les va... 170 sens du corps humain, même. C'est beaucoup plus que ah, ça. Ah, C'est beaucoup horrible. plus que ça. Mmh. Et bien voilà, de mmh. ces 170 sens du corps humain, au moins. Euh, il va avoir, euh, faire une synthèse de son activité motrice, il va faire une synthèse de sa mémoire, ses émotions, ses pensées et sa conscience. Tout ça forme un tout unitaire là. Je suis devant un micro noir devant moi, j'ai che... mes fesses sur une chaise, je suis en train de regarder votre gilet bleu, et donc je sais où je suis et que nous sommes le 4 mai 2022. Ok, voilà. je suis associée. Et, et ça, associé. va ça va, ça t'a Ça va, mmh. à peu près. Donc je suis associée. Mais à plein de moments, on a la capacité de déconnecter, désassocier certaines de ces parties. Typiquement, ce soir, je vais rentrer chez moi sur un trajet que je connais par cœur. Et il est tout à fait possible que je roule pendant plusieurs minutes sans en, en, en écrasant personne, en m'arrêtant au feu rouge oui. et en étant totalement absorbé par ce contenu incroyable d'émission que nous venons ah. de faire. Et j'aurais donc été dissocié, dissociation classique. Je suis en cours et je suis en train d'écouter quelqu'un de particulièrement ennuyeux ou je suis avec un copain qui m'ennuie. J'ai la capacité de hocher la tête oui. tout en pensant à complètement autre chose. Donc à laisser une partie de moi ici. En... Donc on n'est pas vraiment là. Dans les là. Voilà, c'est ça. Je suis dissociée du moment où je ne suis pas totalement dans l'ici et maintenant. Et que toutes mes fonctions ne sont pas totalement dans l'ici maintenant. Donc oui, la dissociation est un phénomène normal. On vient de le citer là dans des circonstances habituelles. Autre circonstance très habituelle, je suis stressée, je suis dans un conflit avec mon conjoint, avec mon patron ou que sais-je. Vous savez, on peut avoir cette, ce sentiment un peu de se blinder, de mettre une carapace, de ⁇ Allez, vas-y, ça coule sur moi ⁇ Qu'est-ce ouais. qui se passe eh ben, Je me détache de mes émotions, je me détache de ma colère, de ma tristesse, de, de mon angoisse, qu'importe. Je m'anesthésie un petit peu de, de mes émotions. Dissociation très classique. Et, et, et c'est utile. Et c'est utile, oui. c'est utile, c'est nécessaire. Euh, ça nous permet effectivement de nous adapter dans plein de situations. Ça nous, met, nous permet de nous mettre en économie d'énergie quand c'est un trajet des tâches classiques. Euh, ça nous permet de nous protéger de contenu émotionnel désagréable et de manière ponctuelle et maîtrisée. Ce n'est pas problématique, mais ça peut devenir problématique dans d'autres circonstances. Et puis là où. Et c'est la dissociation dont on va beaucoup parler ce soir, c'est la dissociation post-traumatique. Mmh. Qu'est-ce qui se passe Quand je suis face à une menace qui répond à cette notion de trauma, euh, je suis au Bataclan et les Kalachnikovs sont en train de me tirer dessus. Je suis euh, euh, dans, au, au milieu d'un un, un accident de voiture où il y a des gens noirs ou autour de moi. Ou à Kiev actuellement. Ouais. Exactement. Euh, que que dois-je faire J'ai trois possibilités. Alors, normalement, avant ça, Soit il me reste une petite possibilité de négocier, mais c'est rarement le cas dans une situation euh, d'agression. Donc je ne peux pas négocier. Ce système n'est pas possible. Il me reste les trois F, ah oui. les grands classiques. Soit je peux me battre, soit je peux fuir, soit je vais me figer. Alors, on dit trois F parce qu'en anglais c'est Flight, Fight, and Freeze. Exactement. Oui. Et donc euh, dans les deux premiers cas, le premier système face à une menace. Notre cœur, euh, il se met en route le système sympathique, un hein, adrénergique, qui permet de nous préparer à nous battre ou à fuir en envoyant du sang dans les muscles pour avoir les biscottos et les jambes, soit pour taper, soit pour courir très vite. Mais si cela n'est pas possible, et donc là, on réagit vraiment en mode survie, c'est-à-dire aussi bien les animaux que nous sommes capables de ah oui. le faire, et on va réagir immédiatement sans être perturbé par nos émotions et nos pensées. C'est donc extrêmement utile de pouvoir déconnecter la partie intellectuelle de la partie survie donc, pour pouvoir réagir. Donc le système d'urgence des, des, des 3 F, c'est en soi des associations. Ah bah oui. D'accord. Donc les animaux l'ont en effet. Euh, exactement. Okay. Mais surtout, qu'est-ce qu'on retrouve juste après On retrouve le freeze. C'est là qu'est la dissociation. Alors, tu as un premier oui. niveau de dissociation qui permet de débrancher partie intellectuelle de partie survie dans, dans, dans se battre et, et fuir. Et puis, quand cela n'est pas possible, tu arrives dans le freezing. Alors, par exemple, il y a, y a une vidéo de l'opossum, du psylab. L'opossum, c'est l'exemple ex le plus Voilà, où l'opossum vient se filer et apparaître pour mort au moment où le prédateur arrive, ce qui le rend beaucoup moins mignon, en effet. Exactement, se filer quand vous avez des kalachnikovs. Euh, et, et passer pour mort, c'est extrêmement utile. Et même dans une agression sexuelle, ce sentiment de, de, de se figer et d'être figé et d'être anesthésié, voire de sortir de son corps, c'est aussi une manière de ne pas redoubler l'agressivité chez l'autre. C'est aussi une manière potentiellement d'être moins attractif, et donc c'est aussi un mécanisme de survie très utile, mais qui est source de culpabilité pour les victimes qui n'ont pas compris ce qui était en train de leur arriver. Avec oui. y culpabilisation aussi, malheureusement. Oui, Exactement. Et puis c'est aussi un, à un moment le, le, le corps humain ne peut pas décharger du cortisol de manière continue. Il a besoin effectivement de s'arrêter. Donc dans le cerveau, à ce moment-là, il y a une décharge de, 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 de substances comme des endorphines, de la kétamine, qui vont Vont permettre d'anesthésier complètement le corps euh, avec anesthésie physique euh, et qui vont euh, amener à un espèce d'apaisement de, de, mais aussi de, de figement. Donc, ça, c'est les, les cas de dissociation voilà, qui, qui, qui existent, qui ont qu'une fonction. Ils sont utiles. Cette voilà. dissociation traumatique, elle est extrêmement utile. Euh, je ne sais plus quel navigateur s'était euh, explosé la hanche euh, au vent des globes avec un, 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 son, son, son bateau. Il a réussi à le remettre d'aplomb, à remonter sur le bateau, etc., sans ressentir aucune douleur. Et une mmh. fois qu'il était en sécurité, se rendre compte qu'il avait la hanche. Et donc, on était évidemment dans un cas de dissociation. D'accord. Et donc, <laughs> cette dissociation, <laughs> il y avait une hypnose et de mes méditations en pleine conscience. Et en fait, j'ai pris conscience en en parlant que c'était l'exact opposé, les deux. Est-ce qu'on peut dire deux mots Alors oui, oui. Euh, c'est-à-dire que en hypnose, nous utilisons la dissociation. Être dans un état hypnotique. C'est un état dissocié. Quand je suis capable d'être ici et maintenant tout en étant dans un lieu agréable euh, et d'entendre de les petits oiseaux, de sentir le soleil sur ma peau, je suis donc éminemment dissocié puisque je ne suis pas dans l'ici et maintenant. Donc l'hypnose est un, un fabuleux outil pour provoquer de la dissociation. Euh, la méditation de pleine conscience qui a pour envie de se mettre. Alors certains exercices de méditation de pleine conscience. Oui, parce que c'est un peu discutable parfois, mais au moins. Voilà, euh, en tout cas, ça, le, le, le ça... pur. Ça, au moins en partie, un intérêt. Exactement. Il dire. Ah non non, mais alors, oui oui. Au moins en partie, voilà. alors, Et puis c'est c'est enfin. Plus en plus, je disais, j'ai l'impression dans beaucoup oui, de Oui remplis. Et puis c'est extrêmement utilisé, et reconnu et, sure. et utilisé et de manière enfin, et reconnu de manière scientifique, mais être ici, faire des exercices pour être complètement dans l'ici et maintenant et ne pas lutter contre ses émotions, les accepter, les observer, être complètement connecté à soi et à son environnement, mmh. c'est effectivement mmh. s'associer et donc. Ne pas être dissocié. Et donc, ça fait partie des thérapies parce que, on, on va en parler après, mais dans, dans, les, dans les stratégies de prise en charge, ouais, pour, pour, pour les et... on ne peut pas de thérapie, on verra bien. Euh, la méditation a une place euh, alors, la, le mindfulness en tant que tel dans le TDI, à ma connaissance, n'a pas d'études spécifiques, mais toutes les techniques d'ancrage, qui sont des exercices euh, bien plus limités. Que, enfin, la, la méditation de pleine conscience peut avoir euh, des, des, des programmes de méditation complets, dont c'est pas de ça dont je parle. Mmh. Ça va être tous les exercices d'ancrage dans l'ici et maintenant, qui sont très utiles dans le TDI. Je, je profite qu'on parle de ça pour poser une question qui est pas mal revenue dans le chat. Je suis très surprise sur le MDR et sur l'intérêt du MDR par rapport à tout ça. Oui. Alors, le MDR est, est une thérapie... Eye movement, derivation. Desen euh, reprocessing. Waouh. Et effectivement, le MDR est une thérapie extrêmement utile dans le psychotrauma mmh. et dans le trouble dissociatif de l'identité euh, en termes de traitement il euh, y, y, y a beaucoup de beaucoup de scepticisme par rapport oui. à ça mais ça ça peut être bien aussi de rappeler que l'EMDR on, on garde le terme EMDR je crois mais ça peut être aussi euh, ça peut être moteur ça peut être oui. euh, au niveau des sensations de, en tout cas. c'est des stimulations bilatérales. Voilà. Donc, au départ elles étaient uniquement euh, visuelles okay. et actuellement elles peuvent être visuelles elles peuvent être auditives ou elles peuvent être tactiles et l'EMDR euh, a été euh, évalué de manière scientifique à de très 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 nombreuses reprises dans le champ du psychotrauma et effectivement euh, il n'est plus possible de douter de l'efficacité de l'EMDR dans le champ du psychotrauma du fait de données scientifiques actuellement totalement incontournables même si l'ensemble des mécanismes de cette thérapie ne sont pas parfaitement connus c'est pas tout, le tout à fait et elle a un périmètre d'utilité qui est le trauma et pas forcément... Euh, en alors, alors, elle est étudiée euh, dans, dans, dans la dépression, dans certains euh, mm. troubles de la personnalité, euh, et il y a de plus en plus d'études, mais pour autant, effectivement, ce n'est pas la thérapie de tout et n'importe quoi. Euh, il euh, y a la notion de, de, de spectre. Oui. Donc, parce que là, on parle de, de la dissociation utile, normale, co comme, comme euh, mécanisme de base. Mais c'est un peu comme tout. Il y a le, la zone où c'est un mal, puis il y a la zone où ça devient pathologique, ou en tout cas un peu embêtant. Et donc, euh, dans le TDI, dans, dans, est-ce que c'est un trouble, est-ce que c'est des troubles, est-ce qu'il y a des spectres que... Et comment on met des, on met des barrières Alors, euh, dans la dissociation, c'est exactement Je... ça. Je... On est dans, dans le spectre, donc des, des cir du normal, quotidien, un peu intense, à des choses beaucoup plus intenses, comme au moment d'un traumatisme, ou à des choses qui deviennent chroniques. Et donc. Euh, et dans les troubles post-traumatiques, c'est exactement de la même manière. On voit un espèce de, 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 de spectre euh, entre le trouble de stress post-traumatique où il va y avoir des flashbacks, des intrusions, des cauchemars, de l'évitement, des stimuli euh, qui nous font penser à la scène. Euh, de l'hypervigilance, de l'hyperréactivité, des sursauts, des troubles de la concentration, de l'insomnie, et puis des pensées négatives sur soi, sur le monde, sur les autres. Donc ça, c'est la symptomatologie classique d'un trouble de stress post-traumatique, euh, jusqu'à effectivement euh, des tableaux beaucoup plus complexes, comme le TSPT complexe et euh, le, le trouble dissociatif de l'identité. Et dans cette notion de spectre, la dissociation, quand elle est vécue, de manière très répétée et très précoce, va avoir un impact sur la construction de son identité. On va y revenir sur, sur le ouais. modèle, effectivement, du, du TDI, et peut aller jusqu'à ce développement d'un TDI. Et dans la CIM-11, qui est une, la classification internationale des maladies, on définit un TD, les TDI partiels, des TDI complets, avec, effectivement, cette notion de spectre, en fait, qui a pour notion le fait que ces parties dissociées ont plus ou moins un sentiment d'identité. D'accord. Dans le TDI partiel ou complet, et la différence, c'est C'est ça. C'est le fait qu'il y ait plus ou moins, euh, un, dans le TDI partiel, ces parties dissociées n'ont pas forcément un sentiment d'identité en tant que tel, avec vraiment une perception de la réalité très spécifique à chaque partie. Euh, et puis, on peut retrouver moins de, de phénomènes d'amnésie, de blackout ouais. quotidien que dans le, le, le TDI complet. Après, tout cela voilà, est une vraie notion de, de, de spectre. Oui, donc forcément, il n'y a pas de frontières euh, délimitées. Alors, il y a un concept euh, qui n'est pas forcément à sa place, mais justement, il faut qu'on en parle, parce que c'est un peu l'entrée qu'on peut avoir lorsqu'on ne connaît pas le sujet. En tout cas, en tout cas moi, c'était mon entrée personnelle, c'est le, le, le masque social. C'est-à-dire que dès qu'on euh, a tous des, des personnalités un peu différentes selon comment on est situé, euh, là, je suis en mode présentateur, euh, je suis aussi, un, je suis une maman, donc je, 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 je suis aussi un fils, je suis aussi un voisin, etc. Donc on a, on, on, a, on a différents rôles sociaux et le TDI pourrait ressembler à en fait que les gens euh, euh, adoptent des rôles dans différentes situations. C'est d'ailleurs le choix euh, que, que, que Luca a fait pour l'illustration de, de l'émission avec un personnage qui a différents masques, que ça paraissait le plus neutre. Et peut-être que c'est pas ce qui est le plus pertinent pour en parler, parce que ça mène à des fausses représentations. Et on va parler juste après de l'éthologie de la TDI. Mais est-ce que le concept de masque social, est-ce qu'on peut expliquer peut-être mieux que je l'ai fait ce que c'est, et dans quelle mesure c'est ou pas du tout adapté à ce dont on parle Alors effectivement, quand on parle de masque social ou de rôle, dans tous les cas, à ce moment-là, il y a un contrôle total de la manière dont on se comporte dans telle ou telle situation alors, les choses se font de manière très intuitive, mais il y a toujours le même sentiment d'identité. Oui. Tu sais que c'est toi, okay. toi dans ton rôle de voisin, toi dans ton rôle de fille, toi là actuellement en train de présenter, et tu as une unité de représentation de toi avec le même âge, etc. Alors, effectivement, il y a des moments où on est plus ou moins jovial, plus ou moins en fonction des circonstances, mais n'empêche qu'il y a un vrai sentiment d'unité de soi avec effectivement plutôt des, des facettes. De soi. Dans le TDI, on est vraiment sur des choses qui sont dissociées et on va le voir. Les parties dans le TDI ont des fonctions spécifiques qui ne se résument pas à être euh, à être le, le bon voisin ou, ou la bonne mère. Même si, et c'est là où quand tu utilises le terme de masque social, ça fait écho à un concept qu'on retrouve comme type d'altères ou de parties dissociées, qui peuvent être des, des altères qui ont cette fonction de, de masque social, en fait, qui ont une fonction de normalisation ah. qui a pour but de cacher l'ensemble des troubles ou des difficultés okay. avec une partie beaucoup plus neutre ou beaucoup plus consensuelle c'est ce qu'on appelle la NP apparemment normale personne alors ça peut être effectivement la, la partie apparemment normale ouais. qui en, qui a cette fonction un petit peu de masque social ou ça peut être d'autres parties dissociées en fonction du nombre de, de parties dissociées mais c'est effectivement ça et puis en fonction de la la profondeur du TDI, tu peux avoir plusieurs parties apparemment normales, euh, des parties apparemment normales plutôt oui. professionnelles, oui. plutôt dans le rôle relationnel, etc. Donc Effectivement, mais il faut voir quand même la, la différence. Donc avoir un TDI n'est pas juste avoir le sentiment qu'on est différent en fonction des circonstances, que l'on est tous. Et pourquoi... Le vrai TDI, parce ah oui. qu'il y a peut-être après, mais en tout cas, voilà, celui dont on parle, c'est oui. vraiment le, le, celui qui, qui a une origine traumatique. Alors avant de passer la, à, à, à l'étiologie de la genèse, un mot sur la prévalence, parce qu'on a parlé de, de sous-diagnostics. J'ai entendu des chiffres comme quoi ça pouvait co concerner 1,5% voire plus de la population. Mmh. Actuellement, ce n'est pas le cas. On n'a pas un un, 1% des gens euh, avec un TDI apparemment. Diagnostiqué. Comment on sait que c'est sous-diagnostiqué Alors. Effectivement. Donc, par exemple, les études américaines retrouvent euh, 1,5 dans le, dans le DSM. Hein, C'est 1,3 chez les hommes, chez les femmes et 1,6 chez les hommes, je crois. Il y, a, euh, y en, en, hommes. il y en aurait plus chez les hommes Alors, selon ouais. des études euh, internationales. Donc, ce 1,6 est retrouvé. Quand tu regardes dans certaines études hein, non américaines, par exemple en, en Israël ou dans d'autres régions du monde, il y a un certain nombre d'études, il n'y en a pas énormément hein, sur l'épidémiologie du TDI, euh, tu peux monter jusqu'à des 5% en particulier dans des populations de patients vus en psychiatrie. Ouais. Euh, ce qui, évidemment, donne un sous-groupe certain. C'est biaisé Biaisé, ça serait-il pas le terme Exactement. Mais donc, euh, et, 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 ce, ce pourcentage est important, hein, c'est euh, au moins tout autant que la schizophrénie, par exemple. C'est beaucoup, beaucoup plus euh, que l'autisme, par exemple. Euh, donc, ce, ce n'est pas rien. Pourquoi euh, on pense euh, que c'est sous-diagnostiqué En tout cas, je pense <laughs> euh, que c'est sous-diagnostiqué, même si c'est repris bien, bien évidemment par d'autres. Euh, c'est parce que je ne vois pas pourquoi, dans énormément de pays du monde, on aurait ces troubles, pourquoi on a tout autant de traumas euh, ici qu'ailleurs et qu'on euh, ne les aurait pas. Peut-être que ceux qui se trompent Peut-être que le monde entier se trompe. Pour autant, euh, c'est vrai que je me suis fait prendre à mon propre piège. C'était des troubles que je ne connaissais absolument pas jusqu'à il y a peu, et c'est des patients qui m'y ont fait m'y intéresser avec des diagnostics que j'ai fait de manière très tardivement, et pour lequel je ne suis pas la seule à m'être plantée, où tous mes collègues psy, ils les avaient eus sous les yeux, ils ne les avaient pas vus non plus. Donc c'est en ça où je pense réellement qu'il y a un problème de sous-diagnostic. Il paraît que le mec à gauche a plutôt intérêt à pas trop la ramener face à la tronchandier. Je suis la tronche en biais, chaton. Aussi, voilà. Des commentaires, des fois, sont. Des fois, ça vole. On a un public qu'on adore, mais des fois, ça vole pas haut. Hein. Oui, c'est pas, trop pas trop les, trop les, trop habituels. Mais les autres, on les embrasse. Et moi, je suis étonné par ce. ce fait, il y aurait potentiellement plus d'hommes parce que c'est pas ce qu'on voit. Et mmh. Il me semble même que parmi les gens qui sont suivis, j'ai un chiffre. Mmh. Six fois plus de diagnostics chez, chez les femmes. Et ce chiffre est faux. Alors, je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Euh, j'ai pas noté la source. Euh, en fait. euh, ah. C'est dommage, dis donc. Dommage. Je, 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 je confesse. Et quand je sais que j'ai une experte à, à côté de moi, j'ai pas peur parce que je sais que je peux être corrigée. Et mon but, c'est de dire des bêtises pour être corrigée dans la seconde. Alors effectivement, parti... enfin, on voit particulièrement euh, des femmes et on en a un diagnostic. Il y a aussi un biais, de nouveau, ouais. c'est que les femmes consultent beaucoup plus que les hommes euh, pour ce, ce type de symptomatologie, euh, ouais. mais il n'y aurait pas de euh, ce ne serait pas un truc purement féminin loin de là mmh. Mmh. une idée aussi est peut-être que les hommes ne consultent pas euh, ou peut-être aussi qu'ils ont euh, des, des comportements une hypothèse hein, que je, je retrouvais dans la littérature qui était peut-être qu'on retrouverait ces hommes plus suite à des passages à l'acte ou en prison pas forcément parce qu'ils sont plus dangereux que les autres mais en particulier on le sait hein, on a beaucoup de personnes euh, dans les prisons qui ont des okay. vécus traumatiques extrêmement extrêmement lourds en particulier des hommes puisque nos prisons sont quand même Souvent remplis d'hommes, et il serait pas possible que, pas impossible qu'on retrouve plus de TDI chez les hommes dans ces populations plutôt que dans la psychiatrie habituelle. Donc, la stratégie de de défense ou de compensation chez les hommes passerait plus par de la violence que chez les femmes. Alors je, je, ou là, je, je, ouais, je, je cherche. Hein, oui oui avez, non, mais... je suis pas en train de dire que, que ça paraîtrait plus. Je dirais que potentiellement ils, ils vont moins consulter. Potentiellement il y a les, moins. Que, ces... Et que les rares fois on les voit, c'est eux. Voilà. Et, et que euh, on a des, des entités bien connues en France, qui sont les troubles borderline, euh, qu'on qu retrouve effectivement beaucoup chez les femmes. Une hypothèse, et qui est juste une hypothèse, peut-être aussi qu'un certain nombre de patients avec des TDI ont reçu des diagnostics de psychose ou euh, de schizophrénie à tort chez une population masculine, ce qui ne serait pas totalement impossible. On a des arguments qui peuvent nous amener à le penser, même si c'est chez une minorité, et donc qui expliquerait notre impression que cela touche Particulièrement les femmes. Donc ça, donc, ça évolue, ça. Oui. On va passer à la, à la partie 2 sur le, le C'est quoi le TDI euh, Comment ça marche Donc je remercie l'équipe technique. On a ce soir Lise à la réalisation, au Corentin à l'image et, et, et au son. Et on a Clément qui nous a mis réglé nos no, no belles lumières. Ça fait. Dans l'équipe de modération, il y a Alexandre, euh, il y a Francine, Elodie, je crois qu'elle n'est pas là, mais on l'embrasse quand même. Qui... Ouais, vous aurez le nom à la fin, donc on a l'équipe autour de nous qui, qui nous aide. Vlad, est-ce est y a des, des remarques par rapport à cette partie de, sur les définitions, des choses que, qui ne sont pas passées bien, que les gens ne euh, comprennent pas ou qui veulent le... Euh... Alors, la plupart des questions que j'ai trouvées pertinentes, que j'ai notées, euh, vont être abordées dans la suite. C'est beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est que le TDI. Voilà. Euh, aussi, comment est-ce qu'on fait la distinction entre un vrai et un faux TDI Nécessiterait déjà de définir ce que c'est qu'un faux DTI. Bon, ça ne va pas donc, être le thème de ce soir, mais évidemment. Ça va pas être possible. Dans la partie 3, où on va s'intéresser aux polémiques, cette question, elle, elle revient. Donc, on voilà. va l'évoquer. Donc, euh, la plupart des questions, si je ne les ai pas fait remonter, rassurez-vous, c'est parce que les réponses vont arriver plus tard. Alors, comment ça marche un TDI On a l'explication. Moi, je trop traumagénique. C'était ça le mot qu'il qu fallait mmh. utiliser. Voilà. Euh, bon, et donc, on a quelques supports visuels pour que vous nous expliquiez un, un peu les choses, pour qu'on se débarrasse un peu des idées fausses, qu'on ait au moins. Même si le consensus n'est pas encore totalement installé, encore qu'il évolue, mmh. au moins on comprenne c'est quoi le point de vue traumagénique mmh. avant de, de commencer à contester. À Alors déjà, en termes de, de critères un peu de diagnostic hein, d'un trouble dissociatif de l'identité, c'est la présence d'au moins deux alters, deux parties, euh, avec euh, la notion qu'il y a une perte à un moment du... Du sens du, du soi, de la continuité du soi. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure sur ces phénomènes euh, d'association et de dissociation. Et là, une dissociation telle qu'elle en vient à ne pas réellement se sentir soi. Avec, effectivement, dans la définition du TDI, des phénomènes d'amnésie au quotidien, où je retrouve des choses que je ne me souviens pas avoir fait, des notes, des affaires, avoir fait des choses, où, euh, effectivement, euh, je peux. Euh, parfois être appelé par des gens euh, que je ne me souviens pas euh, connaître, et où on va retrouver des phases d'amnésie euh, au, au quotidien qu'on retrouve euh, effectivement dans, dans les troubles dissociatifs de l'identité. Alors, en tout cas, ma perception actuelle, qui pourra euh, être amenée à changer en fonction de la suite et des connaissances euh, qui évolueront, euh, mais pour moi, je n'arrive pas à me représenter euh, de troubles dissociatifs de l'identité. Sans euh, effectivement une éthiologie traumatique et une éthiologie euh, traumatique euh, euh, complexe au sens de de type 2 avec des traumas qui ont débuté très précocement dans l'enfance et qui ont été répétés. Et alors, comment on peut expliquer cela Alors, je veux bien effectivement le, le, le premier euh, support euh, visuel et. Pour effectivement se, se représenter euh, cela. L'idée, je, je vous l'ai dit, nous sommes en, en, en permanence associés. Et quand il y arrive un, un traumatisme, voilà. on a enfin euh, l'image. On a enfin l'image magnifique. magnifique. Euh, alors vous voyez hein, de, 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 de grands grands effets d'iconographie. Je n'ai pas toute cette équipe technique autour de moi, mais euh, <laughs> je, je devrais prendre. Euh, euh, aide avec vous. Donc, on imagine euh, qu on est, que notre identité représenterait une sorte de, de, de puzzle et qu'on qui regroupe nos sens, notre identité, notre mémoire, nos émotions, nos pensées. OK. Quand un trauma arrive, on l'a dit, il y a dissociation post-traumatique. Et donc, on peut se représenter comme s'il y avait des petits morceaux euh, qui étaient dissociés. Alors, ces petits morceaux, ça va être très habituellement, un souvenir, l'image traumatique qui mmh. va être dans un petit morceau. Euh, ça va être des émotions, la, la peur intense que j'ai re ressentie à ce moment-là, ou, ou, ou la colère, ou la honte, qui peuvent représenter des, des, des petits morceaux, mais aussi des réactions. Vous vous souvenez de nos trois F de tout à l'heure mmh. Je peux avoir des choses très comportementales. Donc, on peut se représenter euh, les choses de cette manière-là. Et donc, il y a d'une part la partie... Pré-traumatisme, qui serait la partie apparemment normale et des parties émotionnelles qui peuvent avoir ces contenus-là. C'est une manière de voir les choses. Diapos suivante. <laughs> et là, boum, traumatisme. Et là, si il y a des traumatismes répétés ouais. et multiples. On va avoir donc plus de matériel traumatique plus de parties, plus de souvenirs, plus d'émotions, plus de réactions. On sait aussi que la, nos perceptions du monde, notre perception de la réalité, elle est totalement ébranlée au moment d'un traumatisme. Ma perception du monde, de moi, des autres, vient être bouleversée. Et donc, comme s'il y avait une partie de moi qui considère que le monde est dangereux ou que les hommes sont tous euh, des obsédés, et ça, c'est une partie de moi, ce n'est pas complètement moi, j'ai quand même un sens intellectuel qui me permet... Mais... Et, et vous voyez ces petits fragments qui peuvent l'être. Et si on continue... Avec la suivante. Voilà. Maintenant, imaginons que cela arrive très précocement. Et certains disent que son sentiment de soi, d'identité, arriverait vers 5, 6 ans. J'ai ou... entendu 9 ans récemment, ça me paraît ouais. tard. 9 ans, ça me paraît tard. Je pense qu'effectivement, 6 ans. Mmh. Euh, mais euh, alors, de toute façon, notre identité, elle se crée tout au long de, de la façon, vie. Hein. Euh, mais des, des choses qui arriveraient, en tout cas, au moins avant 6 ans. Avant que votre partie. Votre identité soit déjà bien constituée. Vous mettez là de multiples traumatismes à ce moment-là. Toutes les parties dissociées vont eh, pouvoir se réassocier entre elles. C'est ce que j'ai représenté de manière assez peu schématique à ce niveau. Et donc par la suite, donc, su... on, on a plusieurs suivante. puzzles qui, qui, voilà. qui, qui grandissent chacun de leur côté en fait. Euh, y a -y a Il y a-t-il une autre diapositive Oui. Oui, la voilà. Vivante. Voilà, merci beaucoup. Et donc, cette idée, finalement, que ces parties émotionnelles, on l'a vu avec des sentiments, des émotions, des pensées, des réactions comportementales, des perceptions du monde euh, et de soi-même, pourraient s'agglomérer, et là, on parlerait plutôt de fragments, ou pourraient aller jusqu'à des altères. Et, et, et ce qui amène, effectivement, ces notions. Mais ce qui amène, donc, que <laughs> tout n'est pas altère, tout n'est pas une partie avec un sens de, de soi, avec un âge défini, oui. voire un prénom ou pas. Moi, j'ai beaucoup de patients qui ont effectivement des altères qui ne sont pas nommés, par exemple. Et qui ne que... des petites parties euh, indépendantes. Voilà. Et... Ou, ou qui peuvent être des grosses parties avec un vrai sens du soi et qui peuvent arriver et interagir oui. sans pour autant euh, avoir des, des, des noms ou se reconnaître Merci. avec un sexe. Ou, euh, Merci pour les images. Merci beaucoup. Donc là, c le, ça, c'est le... Est-ce que cette théorie, parce que je, même, je, je vais y revenir, je, je sais que le consensus bouge et que nous, on n'est pas à jour, on a accès qu'à qu ce qui est vulgarisé. Euh, je, je suis tombé sur... Un, mais on m'en parlait à, à la partie 3, mais bon, en, en deux mots, comme quoi le, le modèle socio-cognitif euh, serait un, un, un modèle compétitif. Mais ça, c'était il y, y, y a 20 ans. Ce dont on a parlé maintenant, c'est vraiment établi, c'est solide. Alors, ça, le, le, le fait effectivement euh, que cette dissociation structurelle hein, qui vient effectivement euh, d'un auteur, Van der Hart, euh, qui a décrit cette théorie, elle parle énormément et elle est Établie, mais elle est pour autant très critiquable, mais c'est vraiment de l'ordre de l'expert, enfin, il y a assez peu de raisons d'y rentrer. Mais je trouve qu'elle elle, elle me parle bien et elle est intéressante. Quand, quand on évoque euh, ces, ces notions de, de TDI euh, socio-cognitifs, l'idée ce serait euh, que finalement ce trouble n'existerait pas en tant que tel, ouais. mais qu'en regardant Split, des médias, euh, des blogs, euh, avec des gens qui présentent des TDI, euh, eh ben, je me reconnais euh, dans, 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 ce, dans, dans cette symptôme. Et je me convainc que ça ouais. me correspond. Donc, ça, et on en parlera dans, dans la ouais. partie 3. Et l'autre chose, un moment euh, qui a pu être dit, c'est finalement des thérapeutes qui soignent le trauma vont induire chez leurs patients le sentiment qu'il y a des parties dissociées, qu'il y a le petit enfant intérieur, et puis qu'il y a l'ado euh, qui a voulu se rebeller, ouais. et puis qu'il y a cette partie qui est complètement figée et qui a cette partie qui est au, au contraire dans, dans, mmh. euh, dans, dans le fight. Euh, parce que quand on l'a vu tout à l'heure dans les parties comportementales, euh, effectivement, on va avoir... Dans le système, plutôt des, des, des parties extrêmement dans la peur, extrêmement figées, des, des parties beaucoup plus dans la séduction. On a des, des, parties... on a des grands stéréotypes finalement. Alors je ne sais pas si c'est des stéréotypes, c'est le, 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 pan... ouais. le panel comportemental utile. Face ouais. à des situations potentiellement traumatiques. c'est. Il est utile à certains moments de me figer, il est utile à certains moments de me battre, il est utile à, à certains moments de fuir, il est utile à certains moments de séduire, et, et, et on va retrouver ce, ce type de panel. Et donc, on a parlé de, 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 de traumatisme très précoce. Le diagnostic, il n'est pas précoce, bien souvent. Euh, J'aimerais bien qu'on qu parle de ça. Et donc, les parties se mettent en place précocement mais elles sont pas toujours connues. Et jusqu'à quel... Est-ce que est qu'une fois arrivé à 30-40 ans, on peut encore continuer à construire des, des, des altères ou juste on les découvre Alors pour moi, on a plutôt tendance à les découvrir. Euh, euh, on a plutôt tendance à, à avoir énormément de contenus dissociés, vous l'avez vu, avec toutes ces petites pièces. Il n'est pas impossible que ces contenus dissociés, en fonction des circonstances de la vie, des nouveaux événements, il puisse y en avoir de nouveaux ou qu'ils puissent en avoir des, des associations de contenus dissociés qui évoluent dans le temps. Euh, et donc, on pourrait se dire que de nouveaux altères apparaissent parce que des contenus qui étaient associés d'une certaine manière se sont désassociés, se sont réassociés d'une autre manière. C'est totalement envisageable oui. ça. Euh, mais c'est vrai que la, la plupart du temps, même si les, les personnes, par exemple, vont très tôt avoir le sentiment de, de voix intérieure euh, euh, en elles, euh, elles vont... Prendre conscience hein, de, de cette division du soi, ça va être au départ des, des, des sentiments de, de bataille intérieure entre des désirs un peu contradictoires ou, ou des, des, des manières de, de se comporter de manière très différente d'une manière ou d'une autre. Mais le, le sentiment peut arriver très tard. Mais là encore, aussi étonnant que ce puisse paraître, il n'y a pas de règle. Ça dépend de l'histoire traumatique, ça dépend du degré d'insight, de la passion, de son accès ou non à, à, à ses émotions, à, à l'acceptation. Toutes ces parties dissocier hein, quelque chose sur lequel j'ai vraiment pas assez insisté je pense c'est qu'elles ont pour but de protéger le reste c'est donc elles ont une fonction protectrice tout ce matériel traumatique qui est en dehors de la partie principale c'est bien parce que c'est un matériel douloureux difficile euh, voire vécu comme dangereux je dis vécu comme dangereux puisqu'il ne l'est pas mais il est douloureux ouais. et difficile et donc il a pour but d'être dans l'évitement euh, et, et donc toute cette symptomatologie qui a pour but d'être dans l'évitement Évidemment, euh, en prendre conscience, c'est compliqué. Il peut y avoir des... Par... c'est pour ça qu'on a des amnésies de certains traumatismes qui reviennent ouais. par fragments, puisque le contenu euh, peut être dissocié du reste. Le but, c'est de ne pas le vivre, en fait. Exactement, ouais. parce que le but, c'est de ne pas le vivre. Donc, toute cette symptomatologie est souvent une symptomatologie vraiment d'évitement. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, c'est pas ce qui apparaît le plus évident euh, à la face du monde et à la face de la personne concernée elle-même. Donc, le dit qu'il arrive tard aussi parce qu'il y, y a une errance médicale enfin, en, mmh. en France en particulier. Enfin, je sais pas, quand en France, c'est compliqué parfois de poser un, enfin un diagnostic sur, sur les choses. Mmh. Mais si on est diagnostiqué, mettons à, à 25 ans, quand on fait l'historique de la personne, à partir de quand les symptômes étaient visibles Est-ce que c'est dès la petite enfance directement euh, mmh. c'est présent C'est souvent en fait dès les premiers traumatismes et dès les premiers souvenirs des traumatismes. Euh, ce sentiment, effectivement, que des choses se sont cassées, se sont divisées, qu'il a, qu a dû falloir se figer dans certains modes de comportement, dans des circonstances et pas dans d'autres, qu'il a fallu se protéger, se détacher émotionnellement, euh, ça, ça survient effectivement très tôt. Et alors, moi, j'aimerais qu'on parle un peu des haltères, euh, parce que j'ai vu que donc. Euh, on a commencé à, à parler de ce trouble-là dans les années 50-60, je crois. Hein. Oui, alors, euh, dans le DSM2, euh, je crois, enfin, en 69, euh, dans le DSM2, non, c'était avant commencer à apparaître un peu ces, ces notions de, 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 de dissociation. C'est en 69 euh, qui est apparu un petit peu plus ces, 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 ces notions-là. Et dans les années 80, qui a eu pour la première fois le terme de personnalité multiple. Ouais, C'est là où on a eu une, première, euh, une sorte d'inflation voilà. un dans le nombre de, 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 des cas. Euh, J'ai noté alors euh, que dans les années 70, 70, il y avait en moyenne trois altères. Aujourd'hui, il y en a en moyenne 16. Et le record, ça, de 4500. Donc, évidemment, euh, quand on voit ça, on est très perplexe, on est étonné. Comment c'est possible euh, Donc, Est-ce que enfin, est que le nombre est important euh, Est-ce que euh, on peut avoir des parties de super-héros ou d'animaux Est-ce que c'est complètement fou Le mot, je ne le dis pas. Euh, voilà. Est-ce que c'est une maladie mentale Est-ce que les gens s'en fous Ou est-ce que c'est de L'invention complète lorsqu'on est de l'extérieur, on comprend pas ce qui se passe. On finir euh, déjà. Ouais, mais bon, et, et, et <coughs> pas le bon mot évidemment, mais c'est comme ça, qu on, ça que, que vu de dehors on le, on le, on le perçoit. Qu'est-ce qu'on peut en dire des haltères Alors, sur, sur le nombre d'altères, c'est une très bonne question. Euh, il n'y a pas un nombre minimal ou un nombre maximum d'altères. Alors, je, je serais bien curieuse de savoir euh, comment euh, la, la, la personne euh, qui avait 4050 euh, altères... 4500, c'est sur la, la page anglaise de Wikipédia. Je n'ai euh, pas mis la référence. Mais vous avez la source. Co euh, non, mais en tout cas, comment elle a, elle a réussi à les dénombrer oui. C'est ouais, euh, plutôt ça. Le, le nombre a, a pour moi absolument aucune euh, importance euh, parce que je pense qu'il y a des... Parties beaucoup plus visibles, beaucoup plus constituées, qui ont souvent un âge spécifique, une perception du monde, un champ comportemental, une personnalité bien définie et qui sont les plus visibles. Et puis, il y a des fragments beaucoup plus archaïques qui peuvent aussi interagir. Et donc, le nombre a pour moi très peu d'importance. Moi, je dirais que la, la, la majorité des patients que je suis, on est plutôt 6-8, mais ça se trouve, il y en a plein d'autres qu'on qu ignore. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qui vient perturber le quotidien Parce que finalement, qu nous... qu'est-ce voilà, qu qui nous importe Il ne nous importe pas le, le fait de savoir le nombre de parties. Oui. Si ces parties ne posent pas de soucis dans le fonctionnement quotidien de la personne et ne sont pas une source de souffrance. Oui, parce qu'on pourrait très, très, bien, bien. Pourra très bien être tous des systèmes euh, fonctionnels ouais. sans que ça soit un problème en soi. Exactement. Bon. Ce qui pose souci, c'est quand ça devient une source euh, de souffrance. Et, et sur la question du, du diagnostic, euh, évidemment que comme il y, y a des parties qui vont avoir des, des troubles anxieux avec des variations de l'humeur, etc., c'est plutôt là-dessus qu qu que souvent on commence à se, à, à se fixer. Donc, on a commencé à répondre. Mais du coup, euh, le, le, les alters ou les parties quand on regarde un peu ce, ce qu'on voit sur les réseaux, alors je n'ai pas beaucoup regardé, on ne va donner aucun nom, mais bon, il y a, y a des, des jeunes femmes qui sont sur Internet et qui parlent. Et en général, ce qui est frappant, c'est qu'elles présentent des altères qui ont des tenues vestimentaires particulières, qui ont une biographie complète, qui ont des goûts. C'est vraiment des personnalités présentées comme, comme des personnages complets. Et quand je vous écoute, on parle de parties, donc c'est plutôt des, 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 des facettes ou des, ou des, des portions de, 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 de personnes. Alors, ça peut être ça les va, deux, bien sûr. Ça, ça va quelquefois jusqu'à des personnages fictifs, comme par exemple des fantômes, des... Euh, voilà. et on entre parfois dans la cryptozoologie. Dans, et... Animaux, super-héros, j'ai évoqué, ouais, on, 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 on a appelé Tout ça. À ça. Fait. Le, euh, et du coup, il y a, y a ces deux modèles d'être de un système avec plein de personnes différentes, et l'autre, qui est plus celui que j'ai compris de est on est une personne fragmenté. Mmh. Comment on réconcilie ça Alors, il y, y a plusieurs questions. Euh, une que dont, dont je n'ai pas répondu, c'est est-ce qu'il est possible euh, d'avoir un, un alter super-héros oui. ou animal euh, Si on revient un petit peu dans l'étiologie du trouble. Chez le petit enfant. L'éthiologie, c'est l'histoire de la jeunesse d'une maladie. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui cause Si on en revient à des traumatismes précoces, je suis un enfant qui est en train de vivre l'horreur, inceste ou autre. Et euh, je, je, je lis aussi de la littérature enfantine, où j'ai aussi des représentations de dessins animés avec des super-héros. Un moment, avoir le sentiment que cette personne qui a des pouvoirs qui se protègent, qui, a les, qui pourrait me protéger de l'horreur de ce que je vis, euh, est quelque chose d'utile pour moi, avant même que mon propre sentiment d'identité soit bien installé. Permet d'expliquer assez logiquement qu'on retrouve, par exemple, euh, euh, ce, ce type d'alter introjecté. Tout comme le fait d'avoir un, un animal, dire, ça peut être extrêmement rassurant euh, pour, euh, pour un enfant, euh, son chien, son chat, etc., qui est une source d'amour, d'affection et qui vient combler quelque chose et qui soit à un moment rentré dans, dans son système comme étant une, une partie qui va être réconfortante et qui a ce rôle. Moi, je, je trouve ça absolument pas choquant et je trouve ça logique dans la genèse du trouble. Ouais, mais euh, il faut, faut avoir un grid de lecture qui fait qui fait rentrer ça sans que ça paraisse complètement bizarre. Voilà, voilà. probablement. Euh, donc, voilà pour, pour ces, ces, ces parties-là. Ensuite, cette question de est-ce que euh, de, quand je suis face aux patients où je suis avec des TDI, est-ce qu'ils se représentent euh, avec des, euh, des costumes, des maquillages, des machins très différents mmh. euh, d'une fois à l'autre La plupart du temps, non. La plupart du temps, non. Et la plupart du temps, les switches sont multiples, sont quotidiens. Et au cours d'une même journée, au cours de la, du même entretien, je peux avoir différentes parties qui interviennent. Et évidemment, la, le, le patient ne passe pas au vestiaire pour se changer entre les temps. Donc, évidemment, non. Pour autant... Il, il peut arriver effectivement euh, d'avoir d'une consultation à l'autre euh, un style vestimentaire qui peut être assez différent euh, en fonction de qui était aux commandes, qui était dans le contrôle exécutif mmh. au moment où la personne a décidé de s'habiller avec effectivement très souvent hein, des, 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 des parties qui vont être plutôt timides, introverties, euh, voilà, ou des parties un petit peu plus extraverties, voire un peu plus dans les séductions, qui vont amener... Des, euh, des apparences différentes. Mais donc, c'est quelque chose de possible, mais ce n'est pas quelque chose de nécessaire et ce n'est pas quelque chose de courant. Et en tout cas, il voilà, n'y a, a pas quelque chose qui, qui se multiplie comme ça au cours de la journée. Euh... Alors, a... il <laughs> y a une question qui revient beaucoup sous différentes formes, donc je me dis que ça peut être intéressant de, de la poser. Euh, la représentation qu'ont énormément de personnes du TDI, c'est dans la pop culture il y a le film Switch qui a été mentionné. Est-ce qu'il y a des œuvres de, fic de fiction qui parlent du TDI correctement ou qui, au contraire, sont des aberrations absolues sur lesquelles il faut vraiment. Euh... Alors, je ne suis pas une grande connaisseuse de la fiction ouais. et de la pop culture, donc je m'en suis euh, désolée. Euh, effectivement, dans Split, il y a vraiment euh, ce vrai ouais. problème qu'on est dans une fiction fantastique et Mais que le, la, la fin c est, est, c est totalement. La, la fin est fantastique, oui. donc le, ça oui, désamorce un peu ce qu'il y a avant. Mais bon, c'est critiquable quand même. Mm -hmm. Et effectivement, sur sur les sur, sur cette notion de est-ce qu'il y a quelque chose qui représente bien, je n'ai pas la réponse, mais si on a des commentaires là-dessus. United States of Tara, une, une série avec, je sais plus comment ça s'appelle cette actrice, euh, série américaine qui qui citée pas mal de fois, qui, alors, qui est très bien écrite, qui, qui, qui est prenante, et qui montre bien que c'est un traumatisme, donc ce n'est pas glamourisé du tout. Donc déjà, ça change un peu peut-être à ce qu'on a. Ah sur oui, ce n'est pas glamour hein, d'avoir un TDI, ce n'est pas ouais. agréable. De... Protégés, mais qui sont aussi la résultante euh, de ces traumas et qui permettent d'éviter ou pas ces choses, c'est bien parce que voilà, les choses sont, sont douloureuses et, et ces contradictions en soi entre ces, ces différentes parties qui ont des visions, qui ont des envies différentes de réagir dans telle ou telle situation, ce ouais. n'est pas agréable. Et on ne rappellera jamais à quel point l'errance médicale pour les diagnostics euh, psy, c'est un, un enfer quotidien pour beaucoup de personnes. Quoi. On l'a évoqué. Euh, du coup, parmi les symptômes et parmi le, les, les questions, les faut les, les plus passionnantes par rapport à ça parce que c'est étonnant, c'est la mémoire. C'est-à-dire que dans quelle mesure les altères ont conscience des autres, se rappellent des autres. Que puisque dans les symptômes, mmh. il y a la, la perte de mémoire, c'est parce que quand quelqu'un d'autre prend le contrôle entre guillemets, mmh. ben on n'était pas là, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce est que ça, je crois que ça existe. Hein. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que parce que ça pourrait être juste des gens qui racontent des histoires, qui, qui commettent des actes et qui veut pas en être responsable. Du coup, ils disent non, non, j'étais pas là, c'est pas moi. Il y a eu ça dans, dans des procès. Hein. Est-ce qu'on a des preuves qui montrent que oui, on a des, bien des parties qui ne se rappellent pas du tout de ce qui s'est passé pendant que d'autres parties étaient aux commandes il y a il y a de plus en plus d'études en imagerie cérébrale. Oui. Euh, Ce n'est pas simple hein, d'aller de, de, étudier en, en imagerie cérébrale le TDI avec effectivement de regarder un petit peu les patterns d'activation cérébraux entre par exemple la, la partie apparemment normale et une partie émotionnelle. Quand on les met face à un script traumatique d'un trauma qui a été vécu, on voit par exemple que la partie euh, apparemment normale vient activer des, des, des zones pour. Euh, pour être dans la, la répression des émotions et de la mémoire dans ces moments-là. Donc là, c'est quelque chose qui monte. Donc on voit effectivement ce n'est pas le cas sur une partie émotionnelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi ces études-là, très souvent, euh, font des comparatifs en demandant des groupes témoins de mimer ou de simuler des TDI. Ah ouais. et on essaye de, de comparer euh, des groupes de patients à qui on demande d'imiter un TDI euh, il y a des groupes d'acteurs ou autres et puis des, des patients avec des TDI et on voit qu'il y a des patterns évidemment d'activation cérébrale qui sont extrêmement euh, différents en, entre ces cas quelque chose aussi qui a un mythe très, très, très important c'est de se dire bah, les, les gens qui ont des TDI ce seraient des gens qui ont une tendance à l'imagination ou une tendance à la fantaisie beaucoup plus importante que les autres alors ça c'est a été clairement démontré que non, euh, les patients qui ont des TDI ont même une tendance à avoir moins de tendance à la fantaisie ou à l'imagination que des témoins euh, ouais. ou euh, que des gens qui ont un trouble de stress post-traumatique simple ou euh, des gens euh, qui simuleraient oui, alors ça c'est ouais. encore euh, autre chose. Qui eux ont beaucoup euh, d'imagination a priori. Euh, mais donc il faut vraiment faire, enfin voilà, ce, ce n'est pas un trouble de l'imagination euh, oui. d'avoir un, 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 un trouble dissociatif. Mais ça ressemble à ça lorsque pour ce qu'on voit. Nous on n'est pas dans les, dans les cabinets ou à la clinique, nous on est de, 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 sur Internet et ce qu'on voit, ça ressemble à, à des gens qui ont beaucoup d'imagination. Mais donc c'est compliqué de, de parce qu'on ne peut pas porter un jugement, on n'est pas là. Euh, des, des diagnostics, il que il mm -hmm. y a ce décalage là quand même hein. et euh, jusqu'à quel point les alters communiquent entre eux aussi ah oui sur cette euh, sur voilà. cette notion je, je, je... Voilà. n'hésitez pas à dans me... les dans ouais, les profils problème, mais comme ça revient beaucoup comme question dans ouais. les profils qu'on voit sur internet je pardonnez-moi je vais faire une généralité mais il me semble que les alters se connaissent tous ou, ou, ou presque tous et, et sont accessibles à tout moment donc il y a vraiment c'est un système où, où, où tout le monde communique et j'ai pas le sentiment que ce soit la règle. Alors non, non, c'est pas la règle, et c'est en tout cas pas du tout la règle au départ et avant la prise de conscience de son trouble et de ses mécanismes. Euh, effectivement, la plupart du temps, c c c ces alters ne, ne se connaissent pas bien en en entre eux, ont plutôt tendance à se cacher les, les, les uns des autres, même si, bien évidemment, que plus on connaît son trouble. Plus effectivement on connaît aussi euh, ces haltères, plus il peut y avoir de la communication entre eux. L'histoire des switches, euh, il y a tout, tout se retrouve. Euh, en tout cas, bien avant la, la connaissance de, de, des troubles euh, et, et l'identification, il y a beaucoup de switches avec beaucoup d'amnésie. Et puis, euh, il y a aussi euh, possibilité d'avoir des phénomènes un peu de co-conscience avec deux parties qui se qui ont conscience d'elle et qui sont dans un contrôle partagé. C'est des choses possibles. C'est éminemment complexe. Et c'est en ça où, euh, un, je, ce n'est pas mon rôle et, et je ne me, me vois pas juger, il est compliqué quand, quand on voit des, des, des images ou des choses sur Internet de se dire, OK, ah, imaginons qu'il y a effectivement un diagnostic de trouble dissociatif euh, euh, dans l'identité euh, attesté par des spécialistes. Les spécialistes, hein, on est équipés d'outils avec des questionnaires et des interviews. Euh, alors il y a un interview extrêmement bon, mais extrêmement long, euh, qui permet d'attester un, un diagnostic de trouble dissociatif de l'identité et avec des parties qui sont réservées pour essayer de... De, de, de faire la différence avec des gens qui penseraient en avoir mais qui n'en ont pas ou qui souhaitent en avoir mais qui n'en ont pas, euh, avec des, des questions spécifiques. Et donc, il, il y a effectivement certaines, certains critères à réunir. Et peu. quand il y a certains critères présents, et le, le but n'est pas forcément de détailler là, on peut avoir de vrais doutes euh, sur le fait qu'il s'agit euh, d'un véritable TDI. Donc, il y a des outils diagnostiques comme ça. J'avais dit, mais il faut pas trop en parler parce que on sait que les candidats au TDI se renseignent beaucoup enfin, candidats pardon mais euh, mmh. se renseignent beaucoup sur la maladie pour, euh, pour, voilà, pour un pour comprendre ce qui est normal ce qui est mais, mais aussi pour convaincre lorsqu'ils pensent que c'est leur mmh. cas donc, donc euh, pour répondre aux... Tel qu'ils pensent qu'on attend qu'ils doivent répondre au questionnaire. C'est un peu compliqué. Puis avec tout ça, il y a, il y a quand même le, le phénomène de glamourisation de certains troubles euh, et de certaines conditions mentales qui est très très compliqué et qui fait beaucoup de mal aux personnes concernées. Euh, il y a, je vous dire, pour prendre mon cas, des fois j'entends des choses sur la dépression, mais qui me, qui me donnent envie de. Me... C'est pas la peine en plus. Voilà, c'est pas, pas la peine, j'ai déjà envie. <laughs> C'est pas nécessaire. Non, euh, voilà, ouais. non, non, les dépressifs sont coup, très, très je... créatifs et les dépressifs utilisent, ah oui, oui. utilisent leur maladie. Non, 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 quand on est dépressif, on n'a pas les, envie de sortir du lit et généralement, on ne compose pas beaucoup. C'est dans les moments où on va bien qu'on a l'énergie de composer. Le fait que les grands artistes aient souvent, souvent une grande sensibilité et donc peut-être Sont plus, plus sensibles aux maladies mentales. Ou, ou, ou conditions oui. on, ça devient ah c'est grâce à ça qu'ils sont productifs oui, et grosse, grosse glamourisation alors on dit pas non plus qu'il faut avoir honte de sa condition on dit pas non plus que c'est une fatalité on dit absolument pas ces choses là mais rentrer dans la glamourisation et dire que c'est quelque chose d'exceptionnel et que wow, on a tellement de chance d'être dépressif et on échange quand vous voulez hein. Du coup, j'ai un contre-exemple par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'il y a une partie vraiment euh, haute, entre guillemets, et puis des, des, des fragments. Je ne vais pas donné donner son nom, mais c'était une vidéo qui était sur Doctissimo, le... elle a expliqué son cas, une jeune jeune femme, qui disait qu'elle voilà, se présentait, qu'ils avait... étaient douze dans le système, et qu'il n'y avait pas de personne originelle. Mm -hmm. Moi, je trouve ça hyper étonnant, mais j'en reviens à ce que je disais en, en édito, Mon incrédulité personnelle, ce n'est pas la preuve de quoi que ce soit, donc j'ai le rôle ici d'être l'ambassadeur euh, de tous les gens qui se posent plein de questions. Je sais que je suis ignorant, ça m'étonne, donc je me demande ben, euh, qu'est-ce qu'on en fait. Alors moi, ça ne m'étonne pas. Enfin, Alors. Ça ne m'étonne pas. On revient toujours au système. Si, enfin, au, au, au dessin de tout à l'heure, si les, les, les traumatismes sont, sont arrivés hyper et, et très précocement, avant qu'il y ait un sentiment de, de, de soi originel qui soit constitué. Pourquoi il y en aurait une qui soit plus euh, l'originale que pourrais. les autres, en fait. Donc c'est euh, voilà aussi simple. Mais, mais ça, ça me semblait me dit, être hein. l'exception par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, alors bah, parce que euh, ce, qui est, ce qui est compliqué, c'est que tout est possible dans ce trouble, ouais. du fait de, de la constitution de ce trouble, du fait de son évolution. Et donc, dans, dans, dans l'idée aussi de, de ne pas... Donc les exceptions euh, sont la règle. Euh, oui, c'est plutôt ça. Dans l'idée de, de ne pas juger, c'est aussi de se dire, ça dépend <coughs> à quel moment vous rencontrez le, le, le patient et à quel moment il est de sa compréhension de, de ces troubles ou de ce qu'ils croient être la compréhension de ces troubles, qu'importe. Qu euh, mais effectivement, à un moment, ça peut être très aidant d'aller nommer un nombre d'altères, d'aller leur donner, euh, d'aller comprendre pourquoi ils arrivent, etc., euh, quelles sont leurs fonctions, euh, quel de, de âge ils voilà. ouais. Parce que ça, ça permet de, et de les refaire communiquer en, entre eux. Alors, effectivement, dans les thérapies, on va les faire communiquer. On, il y a, par exemple, en EMDR, ce qu'on appelle la, la salle de, de diplomatie, où on va les euh, proposer que les alters soient autour d'une table quelque part pour pouvoir communiquer les uns les autres et voir quels sont les besoins tout ça sont des parties de soi, tout ça sont des parties avec des propres besoins euh, euh, de, de chacune, et comprendre ces besoins, et ne pas être dans l'évitement et dans le rejet, ce qui est plutôt ce qui donne la symptomatologie et la souffrance, mais les accepter est une bonne chose, avec l'idée qu'après, il y aura peut-être moins d'utilité, que ces dissociations prennent le devant et viennent faire souffrir, et que les choses peuvent se réunifier, même si ce n'est pas une, une fin en soi. Moi, je n'ai oui. pas besoin que mes patients, ils ne soient plus que un et un seul, même s'ils sont toujours un et un question qu de la que fin, ça tartique, sur le voilà. ah, ah, sur Comme chemin. ça a été dit plus tôt, c'est pas forcément handicapant et pas forcément euh, pas forcément un mal dans la vie. Quoi. Juste, il faut réussir à réussir à et, la Être permettre. intégré, ce pas une fin en soi. Il faut, oui, il voilà, il il ça. Il faut être bien. Quoi. Voilà, il ne faut, faut pas être dans, dans, dans la souffrance. Il faut par contre avoir intégré ces traumatismes. Ouais. Oui, euh, tout à fait. Ce qui est une étape indispensable. j'ai trois, trois questions peut-être très très bêtes ou peut-être très pertinentes. Je n'en sais rien encore. En tout cas, très naïve. On va le découvrir. Euh, je voudrais comparer le TDI à d'autres choses pour voir dans quelle mesure c'est lié ou pas ouais. du tout. Est-ce que le TDI a un lien avec le phénomène de l'ami imaginaire parce que ça peut ressembler de loin lorsqu'on est naïf. Alors non, euh, parce que l'ami imaginaire est quelque chose de différent de soi mmh. et quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Qui vient euh, nous, nous aider, euh, alors euh, voilà, euh, nous répondre, prendre conscience, etc. Mais c'est bien quelque chose à l'extérieur de soi. Là, on est en train de parler de phénomènes qui sont extrêmement internes et, et, et propres et de combats plutôt intérieurs ou de, 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 de divisions intérieures. Donc, non, ce n'est pas la même chose. Bon, on s'en est évacué. Est-ce qu'il peut y avoir un lien, et là, je crois que c'est un peu moins faux, avec le lien de possession Alors, au tout départ, hein, dans l'historique dans, dans du trouble, ça, ça a pu être décrit comme ça. En hein, tout cas, euh, ce, ce terme de possession peut être décrit dans l'hystérie, euh, qui est un terme euh, qui mériterait une émission ah, celle, oui. euh, euh, et, et qui est très euh, problématique. Euh, mais sur ce terme de, de possession, à, à, à certains moments. Donc, alors évidemment, ce n'est absolument pas ma lecture des choses, mais qu'à un moment. Il vient apparaître euh, qu'il y a un comportement différent, euh, ben, voilà, voilà. et que ça a été interprété comme ça à un moment des choses, pourquoi pas Parce que il me semble que culturellement, il y a des zones, il y a des pays où on parle vraiment de TDI avec possession, pour expliquer que, alors soit en conformité avec l'attente culturelle, soit en contraire, en décalage complet, et du coup, là c'est hyper pathologique, les, les, les gens ont des comportements qui sont décrits comme étant des possessions. Après comment il le gère j'ai pas, j ai, j ai, j ai pas beaucoup de recul hein, sur la question j'ai lu très peu mais visiblement il y aurait quand même des déconnexions et peut-être localement par rapport à des cultures locales. Alors oui, il y a des choses par rapport à des cultures locales. Alors pas, dans le, pas typiquement dans le cadre du TDI et de, des masques socioculturels du oui. TDI, je, je ne connais pas. Par contre, un sujet que je connais beaucoup plus qui est euh, les, les crises qui étaient anciennement les crises hystériques ou les crises à la charcot euh, qu'on qu appelait des crises non épieptiques psychogènes ou maintenant des crises dissociatives, qui est ah. le terme. Okay. Euh, donc ces crises dissociatives, à un moment, j'ai... Euh, une crise qui peut ressembler à de l'épilepsie, mais qui n'en est pas. Il est clair que dans certaines cultures, en, en, en particulier en Afrique du Nord, il y a le sentiment d'une possession par des djinns euh, au moment ouais, de, 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 de cette crise et qu'il y a une lecture euh, à terme de possession euh, pour ces phénomènes de, de, de crise dissociative euh, somatoforme. C'est là qu'on voit l'importance de la grille de lecture. Exactement. <laughs> et donc, ça montre bien que voilà, tout dépend par, par quelle vision on regarde les choses. Et dernière comparaison euh, parce que les altères peuvent être de genre différents, est-ce que ça peut ou pas du tout avoir un lien avec le problème de la transidentité Alors oui, les altères peuvent avoir des genres différents. C'est assez classique que dans le, le système des patients, euh, il y ait un ou deux altères, des, des parties qui ne soient pas genrées ou qui soient d'un genre différent euh, de, du, du sexe biologique. Euh, C'est effectivement retrouvé. Effectivement, euh, enfin, j'ai en tête en particulier une patiente pour laquelle il y avait une dysphorie de genre associée euh, à ce TDI, puisque si vous avez des, des, des altères, effectivement, euh, avec euh, des, des, des identités de genre différentes, on peut évidemment comprendre ce, ce sentiment que ce genre est, est, est fluctuant ou euh, est différent de soi, mais tous les phénomènes de, 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 de troubles de l'identité de genre ne sont pas des TDI. Très loin de là, mais hum. on peut en retrouver euh, associés à des symptomatologies. Comme, comme on sait que c'est sous-diagnostiqué, donc je mets les pieds dans le plat, est-ce qu'il n'y a pas parfois, c'est possible, je ne sais pas, d'avoir des gens qui se vivent comme trans et qui seraient en fait, à, euh, qui auraient plusieurs parties peut-être, qui seraient dans une association est-ce que ce que je dis est complètement euh, exagéré mais... euh, si, euh, En fait, c'est la, so la, la notion de continuité. Oui. Est-ce qu'il y a un sentiment de voilà. continuité du soi Et dans ce sentiment de continuité du moi, je me sens oui. en permanence d'une identité différente. Ou effectivement, il y a des moments, je ne sais pas pourquoi, dans certaines circonstances, où je suis d'une identité oui. différente. Oula, ça Donc c'est la continuité qui te pose des questions. Exactement. Ah, Alors revenons sur le diagnostic. On a parlé de symptômes de mémoire, de dépression, d'anxiété, de problèmes de sommeil. Euh, les épilepsies peuvent être liées à ça. Les, oh, les épilepsies peuvent être liées à des crises des qui ressemblent ouais. à l'épilepsie, pardonnez-moi. Euh, le syndrome bipolaire, le syndrome borderline. Euh, parce que je crois savoir qu'il y, bah, y a beaucoup de symptômes magie, euh, communes et que parmi ceux qui estiment que le TDI n'est pas une entité assez robuste, ils disent non non, en fait c'est du bipolaire, euh, c'est du borderline. Bizarre, euh, bon, euh, alors, alors oui. est-ce que voilà, que, comment on pose un, alors sans rentrer dans les détails, mais comment on pose un diagnostic, comment on se pose une question, comment les gens peuvent euh, chercher à comprendre? Alors par rapport à un trouble bipolaire, pas réellement. Hein. La, la bipolarité, c'est une association de phases de, de, phase de oui. dépression et de phases d'hypomanie ou de manie oui. euh, qui, qui sont effectivement, qui, qui sont constituées euh, sur un certain nombre de jours. Euh, on n'est pas effectivement, enfin c'est pas vraiment un diagnostic euh, différentiel évident euh, du TDI. Le diagnostic différentiel majeur euh, dans ce que vous dites, c'est euh, le trouble borderline et ça peut être la schizophrénie qui n'a pas été citée. Oui, pardon. Euh, non, non, non mais, moi, euh, je, je fais des symptômes. Je... Euh, schizophrénie euh... est souvent revenu, donc c'est bien de. Oui, je... euh... Mais si on peut juste pardon, mais, pardon. Définir le, le borderline, parce on a évoqué, mais euh, qu'est-ce que c'est que le borderline pas, pas, pas. Alors le. le... Le trouble de la personnalité borderline ou le trouble de la personnalité euh, état limite sont effectivement des personnes avec une dite régulation émotionnelle très importante, avec des variations dans les émotions euh, très importantes, avec des difficultés relationnelles, avec très souvent des, des, des sentiments, une très très forte peur de l'abandon et avec parfois des relations qui peuvent être soit extrêmement collées, soit après euh, dans le rejet, qui peuvent associer très souvent des phénomènes de passage à l'acte auto-agressif avec des scarifications ou des tentatives euh, de suicide multiples. Et on retrouve très souvent dans les, les troubles borderline aussi des, des symptômes dissociatifs. Euh, là encore, moi, je vois ça comme un spectre oui. euh, dissociatif et euh, on retrouve beaucoup, beaucoup de traumatismes euh, précoces dans les populations borderline, même s'ils ne sont pas. obligatoires euh, et qu'une minorité euh, n'en a pas. Et on se dit qu'on aurait plutôt des parties dissociées dans le trouble borderline qui sont des fragments, surtout sur des registres émotionnels et relationnels, mais où il n'y a pas trop de, de questions sur l'identité. Euh, qui se pose, Il y a plutôt effectivement parfois bah, le, le bon moi et puis le mauvais moi qui me fait me scarifier, mais ça s'arrête un, un peu à là, contrairement au TDI où il y a vraiment la, cette dite continuité dans le sens du soi. Le tout borderline, quelqu'un dans le chat dit qu'apparemment c'est un concept qui vient de la psychanalyse. On n'a pas évoqué de la psychanalyse du tout. Euh... Quelle est la place de la psychanalyse dans la genèse de, de cette explication C'est-à-dire que nous, euh, on est très critiques, les sceptiques de, de, de la psychanalyse, pour plein de, de bonnes raisons, d'ailleurs. Oui, n'est-ce pas euh... Il y a le concept de refoulement aussi qui est pas mal revenu dans le chat et, euh, et qui est lié à la psychanalyse. Voilà. Est-ce est qu'on peut en dire deux mots Donc, comme la psychanalyse, a contribué à construire le, le, le concept de TDI ou pas du tout pas vrai Alors, pas à ma connaissance, euh, Je clairement. Je euh, alors, je ne suis pas une spécialiste ouais. euh, de la psychanalyse, euh, en effet, ni du, vocul... ni du vocabulaire psychanalytique, mais le, le, le TDI n'est pas un concept psychanalytique, euh, très clairement. Euh, cette notion de, de refoulement, euh, euh, voilà, moi je vais utiliser une notion d'évitement, euh, effectivement. La, 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 la dissociation, okay. la, la déconnexion, cette amnésie euh, dissociatique qui va venir protéger un contenu qui pourrait Être dans, un, dans une vision très psychanalytique, être quelque chose de l'ordre effectivement du refoulement. Donc, c'est bah, 10 juin, c'est pas la même chose. Euh, on a un, un effet de mode au moins euh, suspecté, puisque on a eu dans les années 80 un boom des, des diagnostics qui apparemment a chuté et maintenant ça revient un petit peu. Est-ce qu'il y a une mode chez les soignants Est-ce qu'il y a une mode chez les patients Est-ce qu'il y a autre chose que du trauma et du TDI et, 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 et une, symptomatologie, une symptomatologie qui ressemble, mais qui a une autre origine que celle qui est celle que vous oui, soignez Est-ce qu'il y a tout simplement une prise de conscience diagnostique de la part des professionnels aussi oui, comme, comme, comme pour l'autisme, qui maintenant oui. est beaucoup plus présent parce qu'on le, le voit mieux. Là où il y a la transidentité. Ah, ah, oui. Alors, pour moi, effectivement, on est beaucoup plus dans une prise de conscience euh, diagnostique. Mais euh, je suis un peu en, 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 embêtée par, par cette question où je pense qu'il y a une nécessité de prise de conscience diagnostique et de formation euh, sur les troubles dissociatifs en général et sur le trouble dissociatif de l'identité euh, dans la, la psychiatrie. Mais qu'effectivement, un, un, un phénomène euh, de mode, ne serait-ce que par euh, l'importance qu'il prend dans les réseaux sociaux. Et, et encore une fois, je ne connais pas ces contenus et je ne suis absolument pas là en capacité de, de juger s'il s'agit de véritables euh, TDI ou autres. On n'a en fait euh, pas une chasse euh, aux mais... faux TDI. Non, non, bien voilà. sûr. Voilà. Très clairement, et puis en plus, enfin, voilà, je, je n'en ai pas la, la compétence et on non. ne porte pas de diagnostic chez quelqu'un qu ne... enfin, que je ne vois pas dans le cadre d'une démarche diagnostique. Mais en tout cas, ce, ce phénomène fait que... Il semble, et en tout cas euh, que dans les services de, de, de psychiatrie, en particulier en pédopsychiatrie, il y a un certain nombre de, de jeunes femmes qui se présentent très précocement avec un diagnostic de TDI dans des urgences psychiatriques en France, qui posent de, de très très forts sou soucis à un certain nombre de, de, de mes collègues et qui, euh, euh, pour plein de raisons, ne, ne semblent pas être euh, des TDI. Euh, et et qu'effectivement, ce, 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 ce phénomène... Va presque desservir la, la, la cause et donner raison à, à ceux qui pensaient que ce, ce trouble n'était pas totalement réel. Ou était... Donc, on est à ouais. la fois dans une nécessité de, de bien mieux le comprendre et tout ça passera probablement par une formation, une connaissance bien mieux importante des troubles dissociatifs et du trouble dissociatif de l'identité euh, pour aussi bah voilà, connaître les, les caractéristiques euh, qui permettent de distinguer euh, ce, ces, ces types-là. Parce on peut être dissocié, mais sans, sans avoir de troubles. On, ah bah oui. on va voir ça après. Alors, sur la, la, la prise en charge, parce que euh, on a eu comme remarque, enfin, les, je, je retrouve, mais des ouais. gens qui ont réagi lorsqu'on a annoncé le, le live, alors, parce que des fois les gens réagissent, ils aiment mis critiquer avant qu'on fasse les choses. Vrai. Et, et donc, euh, dans, dans le petit texte qui accompagne la, la vidéo, j'ai dit voilà, euh, comment on peut diagnostiquer, définir le TDI, comment on peut le soigner Sachant que soigner, pas guérir, soigner, c'est prendre soin des gens. Donc. Et quelqu'un a dit euh, le soigner, 14 points d'interrogation, genre, comme si c'était une nécessité que les personnes possédant ce trouble ne pouvaient pas vivre avec, euh, pourquoi est-ce qu'il faut le soigner Donc, il y a cette question-là qui, qui peut être pertinente, mais euh, le TD dont on parle, nous, dont vous parlez, vous, c'est celui qui a une histoire de traumatique précoce. Et donc, dans la définition même du TDI, que vous en parlez, il y a forcément un traumatisme, on est d'accord? Mmh. Donc, il faut une prise en charge, ou pas? Il faut une prise en charge. Alors, ça, c'est. Il est souhaitable d'avoir une prise en charge. Euh, encore faut-il que le, le, le patient, bah, Quand le patient prête. demande. Bah, ça, mais voilà. Euh, non, mais ce qui est la vraie, ce qui ah, est, est une notion très importante, euh, c'est-à-dire qu'on euh, ne va je pas forcer les si... gens à aller consulter, bien sûr, bien sûr. Exactement, on ne peut pas forcer les gens à aller consulter. C'est un travail tellement difficile euh, et tellement douloureux d'aller faire face à ces traumatismes, puisque c'est de, de ça dont il s'agit. Hein, c'est d'aller sure. faire face à ces traumatismes pour pouvoir les intégrer que euh, J'ai beau euh, savoir que cela est quelque chose d'utile, euh, de douloureux, mais d'utile et qui pourra à, à aider les gens de, de, de travailler spécifiquement sur leur traumatisme et, et d'y faire face. Euh, je, je serais bien en incapacité de dire il faut le faire et, et vous ne pouvez pas vivre autrement, bien ah évidemment. Et, et en fait, est-ce qu'il faut soigner le, le, le télé Moi, j'allais dire il faut soigner la souffrance. Mmh qui découle du TDI, chez que chez, 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 pour, pour ceux qui le vivent comme ça, moi évidemment je vois des gens qui souffrent et je vois des gens si je les vois jusque moi c'est qu'ils souffrent oui. et c'est qu'ils sont en demande d'être soignés. Être soigné ne, ne signifie pas que je souhaite qu'ils deviennent, euh, qu deviennent des gens euh, non pluriels si on prend ce, 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 ce terme à la mode, unique totalement intégré et machin, absolument Alors, le, pas. Le terme que les systèmes de Twitter utilisent c'est « cinglé s n g l e t singlet ah oui. Singlet peut-être que... Oui, ce serait peut-être mieux. Non, je pense qu'il faut exprès d'utiliser le mot cinglé euh, peut-être comme retournement du stigmate ou comme propos bon, psychophobe. Hum. Mais bon, je, je vous assure que les usages que j'ai vus, <laughs> <dans> des... <laughs> ça ne prêtait pas à confusion <laughs> sur le, le comment il fallait prononcer. Mais bon, ouais. pas de consensus à cette table. Peut-être. Mais c'est pas grave, le consensus n'est pas une différence. <laughs> euh, voilà, au niveau... Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas Mais du coup... Les, les, les grandes stratégies, les grandes euh, prises en charge, les grandes thérapeutiques, qu'est-ce que c'est Alors la, 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 la première partie va être effectivement de comprendre ce qui m'arrive. La plupart du temps, il faut se représenter. Hein. C'est des phénomènes internes qui existent depuis euh, l'enfance, qui ne sont pas pour lesquels le, la, la personne n'a pas une grande lucidité sur ce qui se passe parce qu'à un certain moment elle n'est pas dans la conscience de ce qui se passe et qu'elle récupère des consciences parce qu'elle a des souffrances avec euh, souvent des événements traumatiques qui ont été plus ou moins amnésiés. Alors si jamais totalement totalement en amnésie, il peut y avoir au moins la, la souffrance qui en découle montre bien qu'il qu y a des choses. Et donc il va falloir comprendre un petit peu ce qui se passe et la phase de psycho-éducation, euh, comprendre aussi les, les fonctions de, de ces parties, pour, voyez, de comprendre les 3F, comprendre ce mécanisme de protection inhérent euh, à, à tout ça, ça c'est une étape absolument en gros, importante. ces gens prennent des cours de, de psychologie Oui, en tout cas, euh, prennent... Euh, 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 on, on essaye d'améliorer leur, leur lucidité, leur compréhension. Donc, par exemple, ce que je vous ai expliqué sur la dissociation, ça fait partie de toutes euh, mes consultations euh, avec ces personnes, parce qu'il est évidemment extrêmement important de comprendre ces mécanismes. Donc, il y a cette partie de, 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 de psychoéducation, il y a euh, une partie qu'on qu nomme de stabilisation émotionnelle. Euh, en fait, le, le but est de donner les outils aux gens pour gérer les déclencheurs pour pouvoir gérer les, les variations émotionnelles, que ce soit euh, des, des, des outils de respiration, de de d'autohypnose, de, 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 de relaxation, d'ancrage dans l'ici et maintenant. Enfin, il existe plein de, de techniques qui sont à, indispensables à, à maîtriser. Ensuite, donc ça c'est cette phase dite de stabilisation, psychoéducation, stabilisation. Les, les choses ne sont pas chronologiques, hein, les unes à la suite des ouais. autres. Je parle des grandes choses. Et puis l'intégration des traumatismes, elle est s'exposer au traumatisme, au scène traumatique, avec des outils adaptés, des mouvements oculaires, de l'EMDR et des stimulations euh, ou autres, et puis euh, travailler la réhabilitation, c'est-à-dire comment faire pour... Euh, avec ses troubles, avec ses conditions, avec tout ça, continuer à vivre, me créer une vie qui va dans le sens de mes valeurs, qui, qui, qui constitue et qui va vers le sens de la personne que je veux être et que je veux devenir, euh, qu'elle soit multiple ou pas. En fait, c'est au choix après de, de chacun et de, de la, la façon dont les choses s'intègrent. J'ai une question, je suis désolée, elle va encore être très dure à répondre, mais... parce que c'est que des exceptions, mais ça prend quand même du temps. Alors, effectivement, ça va être très dur à répondre. Mmh. Et je... Ne sais pas, certains vont vous dire, pour traiter un TDI, il va falloir des années de suivi pour traiter un TDI. Peut-être. Euh, moi, je dirais surtout, euh, euh, ça en fonction du, du, de, de la gravité, de la profondeur, de la répétition euh, des traumas, euh, cela ne, ne prend pas forcément euh, de, de, de très 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 longues okay. années. Euh, en tout cas, on peut arriver déjà assez rapidement à un vrai soulagement et une vraie amélioration de la qualité de vie de ces gens, et c'est ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est être face à des thérapeutes qui sont des thérapeutes qui comprennent le trauma et les phénomènes dissociatifs. Il n'y a pas forcément besoin d'être un grand spécialiste du TDI pour traiter le TDI, mais il faut bien comprendre ce que c'est que la dissociation, oui. ce que c'est que les traumatismes et avoir des outils reconnus efficaces pour cela. Contrairement à certains types de psychothérapie qui n'ont pas été étudiés dans ce cadre, euh, et d'être face à, à, des, à, des, à des thérapeutes qui savent ce qu'ils font. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Du coup, il y, y, y a un manque actuel. Oui. La profession n'est pas à la hauteur. Je veux pas lancer euh... des pierres, mais bon, voilà. Il y a nécessité effectivement d'augmenter les formations sur le sujet et d'avoir des... de plus en plus de thérapeutes formés. Les psychologues, euh, un certain nombre de psychologues formés à l'EMDR sont effectivement euh, plutôt bien formés euh, à ce type de troubles, mais souvent ces troubles étant très comorbides avec des, des troubles anxieux, des troubles timides, dépressifs très importants. D'abord, d'un psychiatre et l'aide de traitements médicamenteux sur ces aspects-là peut aussi avoir son intérêt. Est-ce que la forte présence de la psychanalyse en France est un frein à la prise en charge Mon avis personnel serait plutôt oui. Je poser la question très calmement. Merci pour cette réponse. On va passer à la partie 3 sur le Alors, oh, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hein, euh... Sur des aspects peut-être un peu plus techniques euh, qu'on aurait euh, zappés. Évidemment, on ne va pas épuiser le sujet. Hein. C'est une mission de vulgarisation. Avant de passer à la partie 3, euh, au-delà de la prise en charge en cabinet, euh, etc., est-ce que justement, ce qui peut aider les gens à vivre mieux, c'est pas que la société comprenne un peu ce qui se passe. Là, ce qu'on fait là aujourd'hui, qu'on explique aux mmh. gens ce que c'est, qu'on ait moins peur des, 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 des maladies mentales et des, des, des conditions, ça s'appelle des. Enfin, en fait, les schizophrènes, ça peut être d'abord, qu'on comprenne que ces gens ne sont pas dangereux en général. Ça permet, mais c'est mmh, plus non, eux qui sont victimes que. Exactement, euh, voilà. ces gens ne sont pas dangereux dans l'immense, immense, 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 immense majorité des cas, voilà. sans aucun doute. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, au-delà d'aider les gens qui, qui sont concernés, euh, on, on les aide en apportant des informations aux autres Qu'est-ce qu qui pourrait marcher quelle notion, De quelle notion on a besoin, nous, dans le public, pour mieux nous comporter et pour aider à, euh, aider à faciliter la vie des gens qui sont concernés. Alors... C'est une vaste question. Alors, qui est, qu est plus au sens des, des pathologies ou des troubles psychiatriques ou des conditions psychiatriques au, au sens général, c'est avant tout de ne pas être dans le jugement, dans le rejet, dans la stigmatisation. Euh, effectivement, des, des histoires de vie, euh, des prédispositions génétiques ou tout autre chose euh, peut amener des gens à développer des symptômes psychiatriques et ça pourrait vous arriver demain. Euh, et donc, effectivement, le fait de ne pas être dans le jugement est important. Moi, je suis... Alors, bien sûr, il y a ces réseaux sociaux, et, et peut-être je, je minimise un peu ces phénomènes, puisque je, je les connais mal et que ce n'est pas mon, mon il univers. Il y a des millions et des millions de vues, hein, donc c'est mmh. vraiment un grand phénomène. Donc, c'est effectivement un, un phénomène euh, important, mais euh, la, la plupart des gens qui, qui souffrent de, de TDI ne, ne portent pas forcément cette étiquette en étendard, hein, très clairement, puisque ça. Je le répète, plutôt quelque chose qui a pour but de, de se protéger, de se cacher, de, se cacher, de, de, de donner une image euh, et, et qui a pour but de, de limiter toutes ces luttes internes qu'il y a. Donc c'est pas forcément, je pense, les gens qui, qui, qui souffrent le plus de stigmatisation, puisque euh, très souvent elles mettent pas en avant ce, ce diagnostic. Mais et, et justement, et ça, je pense que c'est une question que les gens vont se poser. Euh, Est-ce qu'il peut pas y avoir une espèce de forme d'inversion de, du stigmate, justement, en le revendiquant comme étant une identité avant parler du côté culturel. Oui, le côté culturel, le fait de justement se dire oui, il y a une souffrance, mais en le revendiquant, en le portant justement en étendard, euh, je m'en sers et quelque part je sublime cette souffrance. Mais, mais totalement, je pense que, et on l'a vu dans, par exemple dans l'autisme ou, ou dans, le, dans, dans la, la schizophrénie, des patients souffrant de schizophrénie, le, le fait de pouvoir l'afficher euh, ont été extrêmement utiles aussi euh, pour eux-mêmes ou, ou de souffrant de bipolarité ou de dépression, etc. Donc je ne dis pas du tout que pouvoir l'afficher. Et reprendre le contrôle et, et le sublimer n'est pas une, une voie thérapeutique intéressante. Hein. Enfin, je, alors là, je, ça c'est plutôt quelque chose euh, sur lequel j'ai aucun problème euh, là-dessus. Là et d'ailleurs, il y aura une, une, une émission de Sophie Robert, mais je ne sais pas exactement où il y a le témoignage euh, d'une jeune femme qui souffre euh, d'un TDI, euh, alors qui est effectivement un très différente ce qu'on peut voir sur TikTok oui. euh, ou autre. Euh, et, et je pense que c'est quelque chose qui, qui est utile pour elle de, de, de pouvoir en, en parler. Euh, et donc c'est plutôt très bien. Et, et nous, en tant que thérapeutes, c'est plutôt extrêmement utile, en fait, d'avoir ce type de ressources oui, de pour encourager gens, ouais. euh, nos patients qui, qui doutent, qui ne savent pas, qui comprennent, mm -hmm. qui sont probablement là-dedans, d'aller effectivement avoir d'autres personnes qui vivent avec, qui sont en d'en parler. C'est toujours utile. Mais encore faut-il que ceux qui sont visibles représentent bien... il n'y a pas de partenaire, mais plus ou moins le... Alors, avant la partie 3, mini-pause pour vous donner le programme en gros. Alors, c'est pas encore totalement prévu, mais a priori, le programme qu'on vous réserve pour les lives. Pour tout ce qui est pas live, on fera ça un peu comme on pourra. Donc, vous aurez notamment des morceaux d'interview qu'on a fait aux rencontres de la à Toulouse. Avec quelques questions euh, qu'on a posées euh, aux gens qui étaient présents et qui s'intéressent à l'esprit critique, donc vous aurez ça, je ne sais pas quand. Mais le 25 mai, on devrait faire de un... la tronche, est à vous. Donc c'est le format où vous, vous venez nous parler. Donc commencez éventuellement à réfléchir à. On va parler des déconvertis. On... Je voudrais que des gens qui ont cru des choses bizarres, euh, ou pas bizarres, mais euh, des religions, ou des. Vous avez cru aux ou au théorie du complot, et puis vous, bah, vous n'y croyez plus. Euh, comment ça s'est passé que vous vouliez témoigner parce que Ça permet justement de, bah, de montrer qu'on peut le faire, qu'on peut qu'on peut euh, changer. C'est pas une fatalité et que c'est pas des débiles qui croient euh, ces choses qui nous paraissent nous euh, parfois un peu folles. Donc venez nous parler. Ce sera le 25 mai à, à 20 h et il y aura sur le Facebook de la Tranchambier une page où vous pourrez venir témoigner euh, en amont pour qu'on vous retienne à l'antenne le jour J. Et en juin, le prochain Tranchambier, le numéro 112. On va recevoir Stéphane Deboeuf qui a écrit un excellent bouquin sur comment le cerveau a inventé le bien et le mal. Donc c'est la psycho-évo, sur comment euh, on explique que le cerveau actuel marche comme ça en s'intéressant à, à son histoire euh, évolutionnaire. Je n'ai pas encore l'étude de l'émission, mais ouais, on va parler de ça, de, de l'évolution, moralité et, et comment on se pose des questions sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on, on a ces jugements-là. Ça devrait être le 8 juin et comme il est euh, toujours en vadrouille, ce sera euh, en distance avec euh, ce cher Stéphane Debove. Et on ne sait pas encore comment on fera, mais en juillet, on essaiera d'avoir un tranche en live enfin en public, quelque part sur Nancy. Euh, je... On a des thématiques, mais on n'a pas encore contacté les gens parce que je suis en retard sur tout ce que j'ai à faire. Partie 3. Avant ça, petite remarque par rapport à ce qui a été dans le, dit dans le chat, qui a été dit à plusieurs reprises, et c'est une, une histoire qui revient très, très, très souvent et sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne parce que ça, ça, ça engendre beaucoup de problèmes. Euh, et qui dit, en gros, la psychiatrie moderne, euh, c'est mettre des camisoles chimiques aux gens, euh, c'est les, les, les enfermer, c'est les empêcher de. Non, on va arrêter ça parce que ça, ça engendre des retards de prise en charge, c'est une catastrophe. Euh, oui, il y a des problèmes. Oui, j'ai assisté à des choses terribles quand moi-même, euh, quand, quand moi il m'est arrivé d'aller dans, dans, dans des HP. Il y a des mauvais praticiens, il y en a partout, il y en a dans toutes les disciplines, mais commencer à vouloir généraliser euh, ce type danecdote là ça fait que des gens n'osent pas aller se faire prendre en charge, n'osent pas aller même dans des urgences psychiatriques qui peuvent sauver des vies. Donc on va arrêter avec ça. Euh, les psychiatres sont des praticiens qui essayent de faire bien leur travail. Il y en a des mauvais, il y en a aussi d'excellents, et ça sauve des vies, donc on va se calmer. A... Je n'aurais pas dit mieux. Il y a un même voilà. qui circule avec deux photos, à gauche une forêt et à droite des pilules, et qui disent à gauche, voici un antidépresseur, et à droite, voici du poison non, et eh ben, les oh. médicaments sauvent des vies. Alors, euh, on en consomme peut-être trop en France, parce que peut-être qu'en France, on a trop de psychanalyse qui retarde les choses. Bon, ça fait un petit peu solution unique. Euh, est, bon, d'accord, c'est la faute de l'homéopathie qui dit euh, <laughs> un médic un, problème, un médicament. On, on a plein d'autres raisons de, 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 de critiquer la. Le, le, le système de soins qui est, qui est très loin d'être parfait. Mais bien enfin, sûr, là, on... de ce que je dis, ce n'est pas que tout est parfait, c'est juste ce qu'il ne faut je pas... Je pas... Je ce que je dis. Voilà. Les controverses et les alentours, donc on va parler un peu de, de, de ça, on, on va revenir sur cette idée de... On a, on a déjà brossé un peu, mais... Euh, j'ai vu, alors je, je vais vous lire le, ce que, que j'ai lu sur le... Sur le le fait que le TDI n'est pas une entité nosologique vraiment établie, qu'il y a des gens qui résistent, pour plein de raisons bonnes ou mauvaises, et je ne suis pas expert, je ne sais pas, mais j'ai lu que selon le modèle socio-cognitif du TDI, il ne s'agit pas d'un désordre psychiatrique de post-traumatique, mais d'une création des psychothérapeutes et des médias, ça on en a euh, parlé, donc ça c'est un débat que j'ai vu avec des papiers qui sont publiés dans, dans des revues, mais ça date d'il y a 20 ans. Mmh. Donc peut-être que cette critique-là euh, a été adressée, a été prise en compte, et, et qu'on n'en est plus là, et moi je ne sais pas. Est-ce que le modèle sociocognitif est valable pour des troubles qui ne seraient pas le TDI, à savoir les, les, les gens qui, qui en parlent et qui croient qu'ils l'ont mais qu'ils ne l'ont pas euh, Est-ce qu'on fait la part des choses Est-ce que ce, cette critique-là, est-ce euh, est qu'elle est caduque ou est-ce qu'elle est toujours Alors, moi, je pense effectivement que, que ce modèle socio-cognitif pourrait être le cas pour, pour des gens qui pensent euh, avoir un TDI et qui le pensent probablement les. Lé... Enfin, sincèrement, euh, sincèrement et, et, et non pas légitimement, euh, et qui ne l'ont pas. En fait, une, une des hypothèses, et, et c'est des choses qui commencent à, à, à naître, ce serait peut-être, alors c'est un phénomène qui s'appelle le maladaptive daydreaming, ah oui, fait. Euh, le fait effectivement, on, on le sait, hein, d'une possibilité pour certaines d'avoir une imagination, une tendance à la fantaisie très importante, et dans, dans ce monde qui est parfois quand même un peu morose, et on a vu une une augmentation de ce type de troupe qui est pour le coup un troupe totalement non consensuel, encore non décrit dans des classifications et dans des de, biographies, mais de vouloir échapper à la euh, ambiante, au confinement, etc., en s'imaginant des mondes euh, fantastiques à partir d'Harry Potter. Apparemment, c'est Harry Potter, <laughs> voilà. autres, euh, Harry voilà. Potter ouais, qui revient. Euh, ouais. ou, ou autre, et de, de s'identifier, et de s'identifier dans ces univers, ou de se créer des, 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 des univers de, de ce type-là. Euh, et, et, et de vivre dedans. Et, euh, et dans une sorte de, de rêve éveillé, euh, donc, finalement. Maladaptif daydreaming, donc c'est des rêves éveillés. Éveillé, Maladaptés, mal ou en tout cas. Euh, et et qu'il y aurait, et je, et je parle vraiment de, de, de manière hypothétique, que certaines personnes avec ces, ces, ces tendances trouvent dans certaines représentations un peu glamour euh, du TDI un univers. Dans lequel cela fait écho à des choses qu'ils ressentent et dans lequel ils s'identifient et, et dans le, le, lequel ils s'identifient tellement que ça devient une, une réalité pour eux, alors qu'au départ, identité une culturelle. identité culturelle, alors qu'au départ, c'était quelque chose. Ce n'est pas impossible en effet qu'une partie soit plutôt de, de ce registre là que euh, d'un TDI euh, post-traumatique. Donc, ces personnes là euh, n'auraient pas forcément, en de, de, de traumatisme. Euh, mmh. Et donc, c'est autre chose qui, qui, qui serait... Donc, du coup, on n'est plus dans le vrai telit dont, 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 dont on parlait. Mmh. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas, nous, décider où s'arrête le, le trouble et où commence un autre. On ne peut pas juger, et, quoi. Et ouais. qu'effectivement, euh, vous ne pouvez pas le faire. Et, et ce n'est pas le rôle de, de thérapeute, <laughs> de psychiatre, d'aller juger des contenus de réseaux sociaux, en fait. Euh, puisque nous, on est là pour porter des diagnostics oui. dans un... Bureau face à quelqu'un pour lequel on accède à, à, à son histoire et. Le problème, c'est que tout le monde est exposé aux, aux ouais, réseaux sociaux et que les personnes qui sont peut-être conscientes d'un problème dans leur psyché, etc., vont chercher à se documenter. Et avant d'aller consulter un psychiatre, je comprends qu'on n'est pas tellement mis et qu'on regarde un peu, ah peut-être que c'est ça. Bah, et du coup, on est exposé ouais. à des récits de, de, de... La, la diabolisation dont on parlait plus ah, tôt, oui. c'est évident. Donc... Et, et ce qui explique aussi, alors, on peut aussi imaginer hein, des, des jeunes adolescents qui sont en construction. On sait à quel point quand on construit quand on est adolescent, quand on se construit à quel point on, on ressent un peu des, des, des changements de personnalité d'un jour à l'autre, à quel point euh, il n'est pas évident de, de, de se conformer à ces normes sociales, à ce qu'on attend de nous, à toutes ces exigences, à ces chamboulements hormonaux qui amènent euh, effectivement plus ou moins de variations aussi dans ces ressentis, euh, et qu'effectivement ces gens qui traversent une adolescence, somme toute, euh, tout à fait classique, mais qui aurait aussi euh, des, des représentations, des connaissances ou, euh, eh ben, pourrait se dire, mais est-ce que finalement ce ça, ce ne serait pas des altères entre le mois d'aujourd'hui et le mois d'hier, et pourrait après dans, dans, un, dans des phénomènes de daydreaming, euh, voilà, s'identifier à cela. C est, c est... Une hypothèse euh, mais effectivement et qui ça ne représente pas moi des populations que j'ai pour l'instant rencontrées ou pour l'instant moi j'ai rencontré vraiment des populations pour lesquelles les diagnostics sont très tardifs et, et sur des, des histoires post-traumatiques euh, sans le moindre doute mais certains de mes collègues en particulier pédopsychiatres me disent donc commence à voir ça avoir des, des, des ados qui n'ont pas d'histoire Traumatique, et, mais qui ressentent leur, leur quête existentielle de l'identité de, de l'adolescente classique, à, à commencer à apposer ces, ces modèles-là ou à, à se à sentir de, dans ce délit. Et quand on leur dit que ce n'est pas ça, ils me disent Mais c'est normal, vous êtes un psychiatre français, vous n'y connaissez rien. Donc c'est tout à fait logique. Ouais. Euh, et voilà Donc effectivement, je, je ne dis pas que ce n'est pas une, un problème. En tout cas, ça m'est rapporté par un certain nombre de collègues dans, dans un congrès français de psychiatrie. Des, des, des personnes m'ont interpellé en hein, me disant Mais voilà, maintenant, c'est ça notre réalité. Donc, c'est donc courant jusque dans les, les, les cliniques, dans, ouais. jusque dans les cabinets. Alors, j'ai envie de dire, bon, admettons, peut-être que ce n'est pas grave. Peut-être que mmh. euh, toutes ces titres que YouTubeuses et YouTubeurs, mais surtout les femmes euh, qui font ça, euh, peut-être que, après tout, moi je suis auteur de fantaisie, euh, euh, il, On a vu des catholiques intégristes dire que Harry Potter c'était mal, parce que c'était, voilà, donc, tout, euh, voilà. Euh, la fiction à tous les droits, ces gens-là qui, qui, qui sont dans... dans... Même si c'est de la, la fantaisie, ça ne me dérange pas. Après, nous, en tant que sceptiques, on est là pour critiquer un peu ce qui passe et, et ce qui circule. Donc c'est un peu notre rôle aussi de demander bah, euh, « Prouvez-nous un peu ce que vous dites. » Mais fondamentalement, on va d'abord essayer de cibler des choses dont on sait que c'est dangereux. Ah. Est-ce que là, ça vaut le coup de s'énerver, d'aller faire la chasse aux, aux tiktokeuses et youtubeuses Je... Votre avis de petit gars, mais, mais, mais en gros, euh, qu'est-ce qu'on sait sur cette contagion potentielle Alors, pour moi, je pense que ça ne vaut pas le coup et que c'est probablement plutôt une chasse vaine avec encore une vraie difficulté que probablement euh, certains. Euh, euh souffrent réellement euh, voilà. euh, de TDI euh, et ont juste, en sont juste à un moment de leur parcours que toutes ces phases où, pas connu, où, où ils ne les reconnaissaient pas, où ils étaient pas connus et qu'ils ont eu tellement de, de psychoéducation, ils ont tellement compris les choses qu'actuellement ils en parlent de cette manière-là. Donc il faut aussi vraiment se, se méfier oui. de ça. Donc c'est en ça où je, je, voilà, je dis, il me semble totalement inutile de faire la chasse à ça. Et, et est-ce que c'est dangereux ce qui serait dangereux, c'est de ne pas suffisamment communiquer et former sur le TDI, sur les, les caractéristiques de, de, de différenciation que l'on va retrouver euh, euh, par rapport à, à ce qui serait des faux TDI et par rapport à, à ce qui est d'autres troubles euh, psychiatriques comme la schizophrénie, le trouble borderline. Il faut plutôt aider à ce qu'on fasse de meilleurs diagnostics, plus pertinents et plus précoces. Et c'est ça qui est nécessaire. Alors, qu'est-ce qui peut aider parce que du coup, on, on, enfin, euh, tout le côté glamour, spectaculaire euh, euh, et culturel, euh, bon, il existe, euh, et il y a plusieurs conséquences possibles. Ça peut être soit de rendre visible l'existence de ce trouble, donc le, 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 le populariser, l'expliquer, donc le, que les gens en aient plus conscience, et donc ça va aider les concernés à aller euh, à consulter. Ça va. Inciter les psychiatres qui voient des gens à se renseigner, à documenter pour poser des bons ça, diagnostics. Peut-être qu'un surdiagnostic est meilleur qu'un sous-diagnostic qu'on a possible. pu suivre historiquement. Ouais. Ou alors, ça va euh, tellement glamouriser le truc que. Euh, parce qu'il y a quand même des. des, des... Je comprends, alors je ne dis pas que c'est bien, mais je comprends des gens qui disent bah, bah, c'est ridicule, euh, c'est tellement bien sain que ça paraît ridicule, et donc ça ridiculise les gens concernés, et du coup que ça peut avoir un effet euh, repoussoir, pardon. Euh, je ne sais pas comment on, on mesure. Euh, qu'est-ce qu'on peut espérer et qu'est-ce que vous, vous voudriez voir se passer euh, euh, pour aider les gens qui euh, qui, qui, qui finissent chez vous quoi, en fait c'est une vraie question c'est un, un petit peu ce que je, je viens de dire je, je pense que il faut juste euh, euh, former euh, davantage là par exemple je vais je, je lance une enquête sur tous les psychiatres français sur les niveaux de connaissances et de perception sur les Tdi donc c'est déjà mesurer, chiffrer, décrire, publier euh, ce qu'il en est de l'état des connaissances et, et, et des perceptions pour pouvoir après pouvoir euh, ben, euh, cibler des actions pour des publics de, de professionnels de santé et pour, pour le grand public. Je pense que euh, faire ce qu'on fait ce soir, finalement donner de l'information, dire euh, attention, il peut être logique d'être sceptique pour certaines choses, mais pour autant, je pense que j'ai pu apporter des éléments pour mmh. dire que ce trouble existe est un mmh. véritable trouble avec une véritable une source de souffrance et qu'il ne faut pas euh, dénier l'ensemble des choses et qu'être sceptique sur certains aspects ne, ne nécessite pas de, de remettre en question l'ensemble et la réalité du trouble ce qui pour moi serait euh, ce qui serait de plus dangereux oui. euh, si cela se, se produisait parce que là on aurait vraiment une perte de chance pour de, un grand nombre de patients il nous reste 10 minutes pour faire remonter les questions, Est-ce que l'équipe des, des... Est de modération a des questions à nous faire remonter ou toi directement bah, J'ai une petite question. Je profite, je profite de vous avoir ici pour poser une question sur les, 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 les bienfaits ou les méfaits de l'autodiagnostic ah. en général et pour le TDI en particulier. Parce que c'est une... un gros dossier, ça. Ah ouais, Mais alors, ça, c'est un gros dossier euh, qui, je pense, euh, dépend. Euh éminemment de, de l'histoire euh, du niveau de la personne, de, du type de maladie, de l'intensité de la souffrance. Moi, je n'ai rien contre les autodiagnostics. Enfin, voilà, je... mmh. euh, un, euh, avoir accès... <laughs> à des psychiatres euh, et à des psychiatres euh, n'est pas toujours simple. On a une pénurie et une oh offre non. de soins euh, qui est quand même en, en difficulté, et qui ne s'est pas euh, améliorée, hein, euh, malgré toute la, la, la bonne volonté. Donc parfois, avoir accès à un psychiatre euh, peut prendre énormément de temps, donc c'est compliqué. Trouver le psychiatre avec lequel je me sens à l'aise et suffisamment pour faire un travail ou pour pouvoir avancer sur le diagnostic peut être aussi compliqué. Donc l'autodiagnostic peut avoir son intérêt. Bah, par exemple, le livre, là, Le trauma, comment s'en sortir, est un livre de self-help et je crois vraiment à la notion de self-help. Je crois vraiment que euh, des patients avec des vécus traumatiques peuvent comprendre qu'ils présentent un trouble de stress post-traumatique et s'autodiagnostiquer et se traiter par eux-mêmes par tout un tas euh, d'outils et voir à quel moment ils ont besoin d'aller consulter un psy. Donc moi, je ne suis pas contre cette notion d'autodiagnostic, euh, du moment où elle est faite euh, euh, de, de manière pertinente, avec des outils, on a des outils, des échelles d'évaluation, et s'il si reste source de souffrance, il doit être confirmé par un professionnel pour simplement permettre d'adopter la meilleure stratégie thérapeutique. Si l'autodiagnostic permet la résolution du diagnostic, eh c'est parfait. Si l'autodiagnostic reste source de souffrance, c'est juste une manière d'aller consulter, d'avoir la confirmation et d'être aidé dans son traitement. Le problème, Le problème du biais de confirmation fait que quand, par soi-même, on finit par un autodiagnostic, on y tient. Il devient notre identité. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe forcément, mais le risque, c'est qu'on ne veuille pas y renoncer. Et on le voit dans d'autres maladies. Je voulais faire une émission sur le sujet, mais je n'ai pas encore réussi à avoir un, un invité qui me dise oui jusqu'au bout. <laughs> sur les maladies euh, psychosomatiques et les maladies invisibles, ah, oui. où on a des gens qui sont en errance, et d'un seul coup, ils ont un médecin qui leur répond ce qu'ils veulent entendre, qui sont électro-hypersensibles, qu ils ont telle, telle ou telle chose. Ils sont très contents qu'on leur dise ça. Alors, peut-être que le fait qu'on leur dise ce qui leur plaît, ça peut aider à. à, à je ne suis pas contre. Je préfère, préfère qu'on ne commande pas aux patients, mais ça, c'est parce que je suis un sceptique, euh, et pas sur le terrain, c'est facile pour moi de le dire. Mais du coup, le, 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 le diagnostic, je vois bien ce danger-là qu'à un moment donné, on s'enferme dans un, dans un narratif. Et comme on n'a pas de distance, bah, le jour où on vous dit non, ce n'est pas ça, on le prend comme une insulte personnelle. Vous avez et, on, et, on a, et on a des réactions sur les réseaux extrêmement agressives vous avez... de gens que nous, à qui on veut tout le bien du monde, mais on est sceptique. Et l'authenticisme est vécu comme une agression, en fait. Non, mais vous avez parfaitement raison. Là, j'étais sur un, un autodiagnostic, par exemple, de dépression, ouais. euh, euh, qui, qui m'est venu dans, dans la question euh, de Vled, et qui peut avoir effectivement son, son intérêt. Mais euh, un, un autodiagnostic, s'il ne permet pas de, de s'auto-guérir, doit absolument nécessité de rencontrer effectivement mmh. un, un psychiatre pour confirmer ou non le diagnostic. Et, et cette question de une fois que l'autodiagnostic est porté et qu'il est totalement ancré avec une forme d'identification, effectivement, c'est plutôt très compliqué, voire une plaie pour les psychiatres mmh. euh, à, à gérer. Mais après, à, à nous d'être... Moi, très souvent, l'étiquette m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est la stratégie thérapeutique et mmh. c'est le fonctionnement au quotidien. Si le patient tient cette étiquette pour une raison ou pour une autre mais qu'il va mieux ou qu'il accepte des thérapies f... ciblées efficaces pour lui même si ce ne sont pas les thérapies enfin, oui. voilà ça, ça, ça me va enfin, après c'est un oui. peu l'habillage la narration tant que les méthodes pour aider sont acceptées sont c'est acceptées. Ouais, plutôt oui. ça enfin, la, la recherche de, de, de la vérité absolue oui. enfin, le patient reste expert de ses troubles pour autant il peut avoir mis une étiquette qui nous semble euh, scientifiquement et médicalement fausse, est-ce que mon énergie va devoir être mise de le convaincre qu'il a tort et que ça va juste amener à ce que la relation thérapeutique se détériore, à ce qu'il ne soit pas soigné, à ce que ce soit une perte de chance pour lui, à ce qu'il y ait une errance diagnostique supplémentaire, ou est-ce que je me dis, OK. En faisant avec ça et voyons comment on peut l'aider, qu'est-ce qu'il est en capacité d'accepter, et qu'à un bon. moment, peut-être cette identité et ce faux diagnostic tombera de lui-même. Voilà, c'est une question de stratégie thérapeutique. c'est voilà, une négociation, et on n'est pas là pour dire le réel, mais pour aider les gens. Alors, nous, on est là pour essayer voilà. de Moi, mon diable. le vote, c'est autre Bien chose. Sûr. Et, et c'est très important de séparer les deux. On ne prétend pas qu'on soit des gens, on est là, nous, pour questionner les narratifs, les, les théories, les, les, les choses qui circulent. Et, et on bah, n'ira jamais dans un cabinet dire vous êtes tort. Hein. Euh, euh, bah, sauf si vous êtes mes mes vous dites bah Vite non, parce que ça, je connais un peu en fait. Donc quand je bah connais oui. un peu, je me permets. Quand je connais moins, je suis beaucoup plus prudent. Euh, Est-ce qu'il y a une idée importante qu'on n'a pas ab abordée et que vous voudriez vous euh, quand même euh, soulever euh, parce que ça vaut le oh, coup. Quoi. Je, 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 je... Ou le truc le plus important, peut-être le redire, pour que les gens partent en ayant ça euh, ah bon. à l'esprit, concerné comme non concernés. Alors je vais juste expliquer moi pourquoi est-ce que j'ai posé cette question sur l'autodiagnostic, oui. histoire de, de, de rappeler aux gens un petit peu à cette humilité permanente euh, à laquelle on appelle, c'est que j'ai été pris en flagrant délit de changement d'avis sur l'autodiagnostic. Moi j'étais complètement opposé à l'autodiagnostic pendant très très longtemps. Je me disais, bon bah voilà, vous n'êtes pas des professionnels, de quel droit vous, vous dites bon bah Moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, allez voir, des, allez voir des spécialistes. Et un jour, il y a une personne qui m'a fait remarquer un truc très très vrai, et ce jour-là, je me dis, mais merde, mais oui. Qui m'a dit, mais, mais tu vas voir un spécialiste, pourquoi est-ce que tu commences pas par un autodiagnostic déjà pour te dire, ah, peut-être qu'il faut que j'aille voir, que voir quelqu'un là, je me dis, mais merde, mais oui. Quand tu vois quelqu'un, c'était qu déjà une petite idée derrière. Enfin, il y a différents degrés de. Oui, voilà, de il, de faut de pas, de pas, de il faut pas faut être enfermé y dans son diagnostic. Différents mais, mais et puis euh, comme ça a été dit et ça, euh, ça, on, on le dira jamais assez, euh, le, le patient est toujours spécialiste en tout cas de son de son ressenti de, de sa condition peut-être pas de de ce qu'il a peut-être pas, mais en tout cas de son ressenti. Et du coup, oui, le diagnostic, c'est aussi se focaliser un petit peu sur soi-même pour prendre des bonnes décisions. J'ai quelqu'un dans ma famille que je n'aimerais pas que j'adore, mais qui va chez le médecin. Et puis si le médecin ne dit pas exactement ce qu'elle veut entendre, elle va voir un autre. Alors, il est utile. Et puis, elle veut se repérer en plus. Et ce n'est pas forcément utile, je crois. Donc, quand tu es sûr avant d'arriver chez celui qui est censé savoir, peut-être que ce n'est pas une bonne stratégie. Et euh, oh. Il y a eu quelques questions sur le syndrome de Munchausen aussi, sur, le, sur tous les bénéfices secondaires, le bienfait qu'on ressent à être... Euh... Alors, un, mot, un mot dessus, peut-être Alors, euh, sur le syndrome de Munchausen, hein, qui, est, qui est quelque chose de, de différent et la notion de bénéfice secondaire. Alors... Il faudrait l'expliquer aux gens ce que c'est, parce que nous, on, on voit à peu près, mais peut-être que les gens qui suivent. Alors, le, le syndrome de, de Munchausen, c'est une pathologie psychiatrique où, où des gens euh, se font du mal par eux-mêmes euh, et vont, euh, par exemple, prendre des médicaments ou avoir des, des stratégies qui vont provoquer des troubles, qui vont provoquer, par exemple, des, des glycémies inadaptés ou qui peuvent s'injecter des, des, des formes de poison ou se faire du mal euh, et, et qui va amener des, des troubles, enfin des, des qui, qui va amener des soins médicaux récurrents et énormes. Attention, un certain nombre de, de Munchausen n'est pas de la, de la simulation de, de pathologie organique et la notion de bénéfice euh, n'est pas des, des bénéfices de la recherche de bénéfices conscients ou d'attention consciente, euh, séparés, avec, avec vraiment, question, euh, si euh, oui, non, mais voilà, euh, avec euh, effectivement une psychopathologie qui est... Très complexe et qu'on ne peut absolument pas résumer à cette notion de, de bénéfice euh, secondaire. Il mmh. faut vraiment faire attention à ça. Ça ressemble à, à quelqu'un qui se fait du mal pour qu'on s'intéresse à lui, qui veut de qui veut l'attention. Mais mais... Je, je résume. Voilà. Non, mais pour pour qu'on s'intéresse à lui et qui veut de l'attention, je pense qu'on est déjà dans un raccourci qui serait presque psychanalytique, monsieur oui, mais, mais, Durand. Mais c'est pour ça, je, je... Alors, bien souvent, mon rôle, c'est de poser les questions bêtes ou de dire ça ressemble à ça pour qu'on me corrige. Mmh. Je, je... Le Munchausen ressemble à quelqu'un qui ferait exprès d'attirer l'attention en se mmh. faisant du mal. Et c'est plus compliqué que ça. Exactement, c'est plus compliqué que ça, mais, mais c'est effectivement pas le sujet. Sur, 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 la, sur, sur le, le, le fond, euh, j'élargirai un petit peu en, en disant euh, que quand on a vécu, enfin, un peu en, en phrase de conclusion, que mmh. quand on a vécu des, des événements traumatiques, au sens où on en a parlé, d'autant plus quand ils, ils ont été répétés et multiples, euh, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi et travailler dessus euh, du moment où c'est une souffrance dans votre quotidien, dans, dans le père, la mère que vous êtes dans euh, ou, ou, ou dans, dans, dans votre environnement, il est toujours possible à un moment ou à un autre par vous-même en étant accompagné par des gens de pouvoir travailler euh, sur ces vécus là et, et cela me, me semble important et, et parfois effectivement, entendre des voix à l'intérieur de soi euh, peut amener un sentiment de folie ou de choses comme ça, ce qui n'est absolument pas le cas. Et n'hésitez pas à consulter euh, pour pouvoir euh, effectivement être aidé si c'est nécessaire. Le trauma, comment s'en sortir Livre de Coraline Ingres, On remercie beaucoup d'être venu de très loin, de Nancy, si, mais quand oh même, hein, oui. elle est venue et je Longre crois route. que ça nous a beaucoup aidés les uns les autres pour euh, évacuer des euh, idées plus ou moins fausses, parce que je pense que c'est un truc que, que père peu de gens maîtrisent tout ça. Mmh. Et nous, on ne prétend pas le faire. C'est pour ça qu'on a besoin d'inviter. Et donc, on est très, très heureux que vous ayez été parmi nous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Bon, et merci bien, et merci à l'équipe. Merci d'avoir été là. Vous étiez plus de 1000 euh, à un moment donné en, en direct avec nous. Euh, je mettrai en, euh, votre livre dans la description, mais je vais oublié. Donc, euh, demandez-moi de le faire. On se donne rendez-vous pour le 25 mai, a priori. Et puis, d'ici là, vous aurez peut-être une petite vidéo... Euh, selon Ah oui, ah, puis sinon on va on va se déplacer au Portugal avec VLED. C'est fait, c'est un secret, on vous dira pour bientôt. Bonne soirée. Je tellement hâte. Des bisous. <muches>